Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième édition de La Cuisine de 2020. Et avant qu'on aille plus loin, mon moment favori, le jingle. Comme vous le savez, La Cuisine, c'est l'émission de cuisine, de gastronomie, que dis-je, de le stream. Si vous venez de débarquer, bienvenue à vous. Merci aux habitués d'être là. Bienvenue aux petits nouveaux. La Cuisine, c'est l'émission pendant laquelle on va cuisiner pendant 2 heures des recettes inspirées, issues, hommages aux cultures de l'imaginaire. Que ce soit les séries télévisées, le cinéma, que ce soit les mangas, les animés, les comics, la littérature, tout ça va être brassé, passé à la casserole pendant 2 heures avec vous. Je vous remercie encore énormément d'être là dès maintenant. Merci d'avoir été là la semaine dernière pour accueillir. Et Pierre, vous le savez, je ne cuisine jamais seul. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir de recevoir quelqu'un que je peux appeler un ami. Bon, c'est quand même plus facile quand tu veux faire tes invites d'appeler les copains. Ceci étant dit, il est l'un des plus grands critiques analystes et il sera humble, il dira que ce n'est pas le cas. L'un des plus grands critiques analystes de séries et de films de la pop culture sur YouTube. Il est adorable, il est érudit, il est fantastique, il est musculeux. Bienvenue à Captain Popcorn. Il est fort, il est grand, j'ai eu peur. Tu t'es plaqué. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue, bienvenue. Salut à tous. Alors, première fois sur le stream. Ah, complètement. Complètement, t'es jamais venu avant. C'est la première fois de ma vie que je suis en direct. D'habitude, même dans la vie, je suis pas en direct, je suis toujours en différé par rapport aux gens, tout ça. Dans la vie, je la regarde de loin, je prends 5 secondes et après je parle. Voilà. Vous voyez, avec mon petit café, faut pas vous inquiéter, on est un petit peu, voilà. Là, je vois que dans le chat, on va pouvoir parler aux gens. Tu peux lire en direct, oui. Répondre en direct aux gens. Si tu veux pas leur répondre, tu me le dis. Salut les gens. Voilà. Bonjour. Voilà, donc j'ai l'impression que voilà, nos amis sont là. On va passer 2 heures, à peu près 2 heures à cuisiner. Absolument. On devra rendre l'antenne à 14h25-27. Pour l'émission suivante. Je pose toujours la même question à mes invités avant qu'on commence, mais j'ai besoin de savoir un truc. Mm-hmm. Tu cuisines un petit peu, toi, c'est quoi ton skill en cuisine? Alors, mon skill en cuisine consiste par exemple à m'ébouillanter le pied en sortant les pattes de la plaque pour aller dans les couloirs. Tu m'avais dit que tu t'étais blessé, mais tu m'avais pas dit comment. C'était d'accord. Avec Ok, non, mais d'accord. Ça va mieux depuis. Mais ok, très bien. Ouais, c'était voilà. Donc, ça, c'est non, ça. Sinon, je fais cuire des œufs, de la viande, des pâtes, des trucs hyper basiques. Ouais. Je sais pas te faire d'une sauce, tu vois, j'achète la sauce toute faite. Ah, voilà. Alors, il faut que tu saches qu'avec Jiraya, dans l'une de ses émissions, vous pourrez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. On a fait une sauce tomate, oui. Facile. Tu mets tout dans un petit plat comme celui-ci, au four. T'as rien à faire, tu mixes. Donc, tu pourras agrémenter tes basiques de cette sauce-là. Ok, donc ton niveau de cuisine n'est pas très élevé. C'est pas très grave parce qu'on va faire 2 recettes simples aujourd'hui. Simple. Ça sera simple. Là, on est dans la. Certains appellent ça la tourmente, d'autres appellent ça la vague de Witcher. Hein, la série Netflix a beaucoup fait parler d'elle. On parlera de ton avis, parce que tu as bien entendu fait une vidéo pour en parler. Ouais, j'ai commis une vidéo, ouais. On en parlera. T'as commis une vidéo là-dessus. Si vous ne connaissez pas Captain Popcorn, ami du chat, comme je vous le disais, c'est un critique, analyste. On peut dire ça comme ça, parce que tu fais des analyses, des critiques, tu donnes ton avis, des théories aussi. Exactement. Sur tout ce qui va toucher aux séries, au cinéma, pop culture, mais pas que, t'as aussi fait des trucs... Un peu manga aussi, tout ouais, ça. Voilà. Mais ça reste pop culture, j'ai pas fait d'opéra ou de oui, non, voilà, littérature t'es classique, pas, voilà. Ce qui pourrait être intéressant, mais je ne le fais pas. C'est vrai que tu pourrais faire ça. T'as... Il y a popcorn, c'est pop culture, pop. Et corn, le maïs, aucun rapport. Captain Popcorn, moi je sais, est-ce que les gens savent, tu l'as expliqué dans tes vidéos, pourquoi Captain Popcorn? Là je viens de le faire. Très parce bien. Que... non, Captain, parce que... Captain, parce que Captain America, parce que c'est le truc, les super-héros, je parle pas mal de super-héros, mais pas que. Et puis Popcorn, parce que c'est le cinéma. Ouais, et ouais. En plus, il y a le pop de pop culture. Non, mais c'est bien, c'est réfléchi. C'était pour ça. Pour son histoire. Hein, pas mal. Ouais. Au début, j'avais Bistrono Geek, mais je me suis dit, c'est trop réducteur. ceci étant dit, donc on va faire du Witcher avec... dans la série, on les voit pas bouffer. Enfin, on les voit bouffer, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Tandis que dans The Witcher 3 Wild Hunt, qui est toujours au top, que je stream sur ma chaîne perso, parce que bien entendu, on est dans l'épisode du placement, twitch.tv/gastronogeek, allez follow et sub. Placement Tsunami Island. Placement Tsunami Island, placement tous mes livres. Voilà, c'est un petit peu... Voilà. Dans The Witcher 3, dans un DLC Blood and Wine, donc déjà, il y a Wine, il y a une quête dans laquelle on trouve un livre de cuisine. Petit clin d'œil à Gordon Ramsay, puisque le chef Ramsès Gorton
nous prépare une recette de pâte étoile blanche. Gordon Ramsay de Cauchemar en cuisine version originale. Le vrai, le grand chef cuisinier écossais qui a fait ses études en France et qui du coup fait Cauchemar en cuisine exactement et plein d'autres trucs, Hell's Kitchen et plein d'autres proies. Tout un personnage qu'un jour on essaiera d'avoir ici. On fera une pétition, vous irez retweet vos vies pour qu'on fasse venir. J'ai le même éditeur que Gordon. Ça peut jouer. Ça... Hell's Kitchen, référence à Daredevil. Oh, oh, tu vois, ce serait pas mal. Il est fort, il est très fort. Du coup, on va faire ces pâtes-là. Donc, ça va être du filet de volaille qu'on va faire mariner, qu'on va épicer, qu'on va simplement agrémenter avec des petits champignons forestiers. Agrémentons. Voilà, pour ce petit instant Geralt dans la forêt. Voilà, et puis, on va aussi cuisiner une pâtisserie issue d'un des thèmes que tu affectionnes particulièrement, il me semble, à savoir Game of Thrones. Absolument, ouais, j'ai beaucoup parlé de Game of Thrones. Et la dernière saison, on le sait, a beaucoup fait parler d'elle en bien comme en mal. Mais ouais, ce serait un plaisir de replonger dans cet univers. Puis ça continue avec les livres, donc moi je suis toujours... Ça se développe, t'es toujours dedans. On va pouvoir te faire de la pâtisserie, mon petit pote. Ça va pas être triste. Est-ce que tu connais le dessert favori de Sansa Stark? Oui, les cakes au citron. Exactement, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Absolument. On va vous apprendre à faire des petits moelleux, des petits cakes justement façon cupcake au citron. Et je vais vous montrer... Je l'ai fait dans l'un de mes livres, vous le voyez derrière moi, ici, dans Geek & Pastry. Et on va vous montrer comment faire un glaçage royal et pas une crème mascarpone ou une crème chantilly. Vous nous avez déjà vu faire ça plusieurs fois dans la cuisine en 2019. Là, on va vraiment proposer un glaçage royal qui est un autre basique de la gastronomie française et de la pâtisserie française. Vous verrez que c'est très facile, tu verras que c'est très simple. Est-ce qu'on passe en cuisine? Allons-y, parce que... Alors, lave-toi les mains, je te suis, je me laverai les mains juste après. Ça marche. On va travailler, le petit chiffon sera sur ta gauche. On va travailler de la volaille, mais on va commencer et cuisiner tout en même temps. Pourquoi? On a une heure, il est génial, il se lave les mains en regardant le chat. Personne ne fait ça, chers amis du chat. Il est très fort. Du coup, on va commencer à préparer notre poulet, puisqu'il faut le faire mariner. Alors, au maximum, c'est bien de le faire pendant 2 heures. Nous, on n'a pas ce temps-là, puisque sinon, on se retrouvera en fin d'émission avec du poulet cru. On va le faire 30 minutes, ce sera suffisant. Ok, c'est moi qui me lave les mains. Alors, est-ce que tu peux expliquer l'intérêt, vu tes bras, de manger du filet de poulet? Le poulet, ben, c'est une viande maigre, pleine de protéines. C'est un peu comme la dinde, hein. Fait partie des plats favoris des gens qui font de la musculation. Un truc qui a de plus en plus de succès en France, la musculation, quand même. Ouais. Surtout en début d'année, avec les bonnes résolutions. Mais du coup, ouais, j'en mange assez souvent, même carrément souvent. Parce que aussi les vaches ont des jolies, très jolies dents carrées, comme me dit ma copine, et ça fait un peu de la peine de les tuer, même si je continue à en manger de temps en temps. Mais... Ah ouais, c'est vrai, t'as une réflexion à ce niveau-là. Il y a un truc que tu m'as... On peut en parler du truc que tu m'as demandé de pas cuisiner? Ah, si tu veux, ouais. Ouais, donc on ne cuisinera pas le lapin. Donc jamais vous n'aurez Captain Popcorn sur ma chaîne en collab pour faire le lapin à la bière de Sam Gamgee. Moi, je trouve que c'est fort dommage, mais pourquoi? Alors, j'aimais bien le lapin quand j'étais plus jeune, ah bon, je pense que j'aimerais bien aussi maintenant, mais... Encore une fois, là, j'ai parlé d'elle, c'est ma copine, elle avait un lapin quand elle était petite. Non, c'était plutôt animal de compagnie et tout. Du coup, maintenant, elle voit ça comme un animal de compagnie. Elle me dit, ouais, ouais. Ah, mais elle pourrait pas regarder le replay et tout, ce serait... Ah ouais, d'accord. Ouais, on perdrait des vues, des pouces bleus, tout ça, voilà. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Non, mais très bonne chose. Tu sais qu'en cas d'apocalypse et compagnie, les canidés, c'est les premiers trucs que je bête. Hein. Oui, non, mais c'est sûr qu'après, nécessité fait loi, hein, comme on dit. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Quand tout le monde crève la dalle, le poisson dans le bocal, il te regarde comme ça. On hein. Est passé placer des collets dans le bois de Boulogne. Pour il est en train de chasser des canidés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il bute un chien, là. Donc voilà. Alors, on va faire un petit peu de découpe. Donc, est-ce que tu connais la technique pour... assurer les planches à découper sur le plan de travail? Évidemment, pas du tout. Alors, montre-moi ça. Bah, tu humidifies comme moi ceci et on va pouvoir placer nos planches à découper dessus. Je peux taper comme un bourrin. Ouais, tu peux humidifier un petit peu plus. Un peu plus? Ouais. J'ai pas trop d'humour grivois avec Captain Popcorn. Même dans l'humidification, je suis pas bon. En mouillage, je peux bosser. Voilà. Donc là, tu vois, quand tu fais ça, tu stabilises un peu ta planche à découper, ce qui sera pas mal à un instant T. Alors là, on a du yaourt bio franco-français, monsieur. On va utiliser... Tu peux attraper les filets de poulet. Alors, tu vas devoir manipuler un maximum le poulet, parce que dans le chat, vous le savez, à titre personnel... Ah, toi, tu es allergique. Je suis allergique à la viande de volaille. C'est un piège. Voilà. Donc, là, on a...
tout à l'heure, tu as dit maigre de, je crois, maigre de poulet, et moi je dis blanc de poulet. Je me dis, ah, c'est la différence entre le spécialiste et le. Non, non, ça oui, alors en fait, c'est juste que le filet, c'est maigre. Comme, voilà. Mais justement, et c'est ce qui est l'intérêt de cette recette, c'est de réussir à vous montrer, parce que le maigre de poulet, le blanc de poulet, le filet, tout ça, quand tu le fais cuire, pas forcément comme il faudrait, il se passe un truc. C'est qu'en fait... Ça devient dur à mastiquer après. C'est exactement ça, c'est dur à mastiquer et c'est pas du tout ce qu'on veut. Exactement. Nous on veut que ce soit juteux à cœur, donc je vais te montrer comment faire. On a du sel, on a du poivre, on a nos filets de poulet, on a notre yaourt, on a nos herbes, on a nos épices. Donc tu vas avoir de la coriandre moulue, on pourrait utiliser de la coriandre fraîche, ce matin il n'y en avait juste pas chez le primeur. Et on va avoir du curcuma, qui est une très belle plante indienne dont on fait une poudre. Tout le monde la confond avec le curry. Le curcuma, c'est beaucoup plus doux. Ça colore énormément. C'est ce qui va apporter notre côté étoilé au plat. Donc, on va prendre ce blanc de poulet. Tu me dis, mon cher Tom, je te préviens de passer en vue zénitale parce qu'on a une caméra juste au-dessus. Oh. Voilà. Oh, voilà, c'est beau. Du coup, alors, je vais te passer un petit couteau. Couteau d'office. Hop, le couteau d'office, est-ce que tu sais ce que c'est ? Le couteau de Michael Scott ? The Office ? Non, mais c'est une bonne vanne. Mais merci non. Beaucoup. Mais je l'ai percuté que après, j'ai pas été très rapide. Je disais, non. Le couteau d'office, c'est ce truc qu'on prend, on prend d'office parce qu'il n'y a rien d'autre disponible. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est pas, je vais t'aider. Non, le couteau d'office, c'est en effet, dans le chat, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un couteau d'office ? Très clairement, je l'explique toutes les semaines. J'ai déjà entendu ce terme, hein, mais je ne suis pas obligé de l'expliquer. C'est, voilà. En vrai, le couteau d'office, c'est pour faire les petites choses. D'accord. C'est pour faire tout ce qui va être épluché, petite découpe, voilà. Tu as un gobe, c'est une petite chose, par exemple, tu peux le faire avec un couteau d'office. Tu peux faire ça avec un couteau d'office. D'accord. Ce qu'on fait, c'est on va enlever un tout petit peu du gras qui est là. Il me faut un couteau là parce que. Oui, je vais te le donner. Tiens. Je vais être en retard moi. Hein. Tiens, vas-y. Excuse-moi. Mec, les gars, il est arrivé chez moi il y a 10 minutes. Je fais comme si c'était chez moi, tu m'as dit, on fait comme voilà. Si. Voilà. Donc tu tiens, regarde, tu prends, tu tires. Ouais. Le gras, tu tires. Et en fait, tu utilises le fil de ton couteau simplement pour enlever. Bon, là, il est déjà bien paré. Hein. Ouais. Alors, paré, dans le langage, hein, c'est enlever toutes les matières superflues. Voilà. Alors, pourquoi on enlève. Tout le monde s'inquiète avec le gras, tout le monde te parle du gras, et trop gras, c'est trop gras, c'est trop gras. Le vrai problème, c'est pas le gras, les amis. Le vrai problème, c'est le sucre. Mais ça, on pourrait en parler pendant des heures. Nous, on va enlever le gras, le peu de gras qu'il y a sur cette viande, parce qu'en fait, ça a tendance, quand on saisit la viande, ça a tendance à durcir à la cuisson. D'accord. Et du coup, à contracter la viande et à pas lui permettre de se détendre et de se relâcher. Ça te suffit, là ? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai que t'as... Non, mais t'as raison entre le sucre et le gras. On pourrait... bah, parlons-en pendant deux heures et faisons fuir tous les gens de. En fait, c'est ça. Et je vais me faire tout à l'heure. Si jamais on parle un peu trop du sucre, malheureusement, il y a une fenêtre. Là, vous ne le voyez pas dans la cuisine, il y a une fenêtre derrière. Ce qui veut dire qu'il y a un point d'accès pour un sniper. Ce qui veut dire que le lobby du sucre peut m'abattre à, tout instant. Il est très puissant. Il est très très puissant, le lobby du sucre. En fait, tout le monde parle du gras parce que dans les années 70, le lobby du sucre s'est rendu compte que le gras, bah, forcément, ça crée Plein de maladies. Oui, exactement, ça crée plein de maladies, ainsi de suite. Il y a du bon gras, il y a du gras qu'on évacue facilement, et ainsi de suite. Et le problème du gras, c'est qu'il se stocke. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, je trouve que, comme le dit Caradoc, le gras, c'est la vie. ça, c'est vrai, mais le gras en cuisine, ça a plusieurs intérêts. Ça apporte la longueur en bouche. Ça te permet de mieux sentir et de plus sentir certaines choses. Le sucre, il a certains défauts, comme par exemple, il entrave les connexions synaptiques. C'est-à-dire que fondamentalement, le sucre, sur la durée, en forte quantité, ça vous rend con. Vraiment. Vraiment. Ça vous empêche de vous rappeler des trucs facilement, ça vous empêche de vous développer. Et plus tu le consommes jeune, petit, puisque c'est bien entendu là que le lobby va taper très très fort, eh bien plus tu vas empêcher le développement cérébral de l'enfant, et blablabli, et blablabla. On pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Je crois que la chaîne Et Tout Le Monde S'en Fout va en parler, parce qu'ils ont fait un post sur leur page Facebook pour parler du sucre, et généralement quand ces gars-là s'attaquent à quelque chose, c'est pas mal. Alors là, on a du yaourt bio français, monsieur. On va retoucher au poulet ou pas ? On va retoucher au poulet. D'accord, je vais mettre les mains tout de suite. Alors. On va pas le manipuler en tant que tel. Regarde bien, je te montre, tu fais tout comme moi. Oui. T'es prêt ? Voilà. J'en ai. Voilà, hop. Tu peux respecter un peu cette viande ? Un petit peu de fleur on de sel. On peut l'attendrir avec le marteau. Les gens me disent, ouais, pourquoi pas utiliser... On peut l'attendrir. On va essayer un jour. Pourquoi tu utilises la fleur de sel et pas du sel fin ? Je te laisse faire comme moi.
pour faire ton malin. C'est plus fin, moi j'aime bien. C'est pour faire mon malin. Je suis très content que tu aies pas tenté, comme beaucoup de mes invités, le salt bae style. Je t'aurais pas fait. Non, mais moi je suis vieux, je fais pas ce genre de trucs. Alors, voilà. Non mais c'est bien, pas trop salé. C'est bien. Tu vois ce yaourt ? Tu fais tout comme moi. Oui. T'es prêt ? Vas-y, attention, t'es prêt ? Vas-y, on y va. Les cuillères. Et voilà, vas-y, je te laisse faire, Vas-y. Tu vas gentiment, on va déplacer la volaille. On va la mettre dans le yaourt. Ce qu'on va faire avec ce yaourt, c'est qu'on va saler. On va aussi ajouter une cuillère à café, s'il te plaît, de curcuma. Est-ce que ça va le cuire un petit peu, du coup ? Et c'est exactement l'intérêt du truc. En fait, ça ne va pas le cuire, mais l'acidité du yaourt va agir comme... Ça va aider à détendre la chair. Oh, l'image, elle est très belle. Regarde ça. Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est beau. OK, très bien. Tu mets ça de côté. On réserve. Tu prends une autre cuillère. Tu me mets une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Voilà. Demi-cuillère. Une demi-cuillère à café. Très peu. On ajustera, on assaisonnera sans aucun problème. Et ensuite, tu mélanges. Du coup, l'acidité du yaourt va servir à attendrir les chairs. Ce qu'on veut avec cette viande-là, vous le savez les amis, c'est éviter qu'elle soit impossible à mastiquer. Du coup, on va essayer le plus possible de la préparer à la cuisson. Voilà. Je suis toujours un petit peu en stress avec ce four. On est bon là ? C'est pas mal. J'essaie de pas en foutre partout. Ouais, c'est pas mal. Tu gardes ça comme ça. Tu mets de côté quelques instants. On va juste très rapidement rincer nos planches à découper. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais mourir. Et puis de toute façon, la viande, c'est plein de bactéries. Alors. Ouais, non, mais bon, allergie, tu vois. Oui, toi en plus. Voilà. Et là, on va préparer nos herbes. On va préparer nos herbes et on va les découper aussi. Alors, jusque-là, alors je vous le dis. La viande crue. Je vous le dis, les amis, en régie, en effet, l'image est très belle. J'ai une autre problématique qui est que le chat étant très blanc, j'ai du mal à le lire. On se le dit pour la prochaine fois. Voilà, on se le dit pour la prochaine fois. Merci beaucoup, les gars. Voilà, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, je vois Margot, Sarah, plein de gens dans le chat. Quel plaisir de vous savoir là. Quel plaisir. J'espère que vous passez un bon moment de votre côté. De l'écran. Alors, tu vas utiliser... Alors, ce qu'on va faire, va bien, tu vas mettre ce chiffon avec lequel tu t'es essuyé les mains sur la paroi du four pour qu'il sèche. Ces deux chiffons-là, ils vont servir à essuyer nos mains. Ce chiffon-là, il va servir à essuyer le plan de travail. OK ? Excellent. On se trompe pas. Voilà. Donc là, tu as une lame. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu sais comment on appelle ça ? Un couteau qui fait très peur avec une femme comme ça. Non, je sais pas. Non, c'est un éminceur, mais généralement, c'est le couteau type japonais, un santoku, avec une lame alvéolée. Donc ça sert quand tu découpes des corps gras, on s'en servira tout à l'heure pour le poulet, puisqu'en fait, les alvéoles, elles créent des petits coussinets d'air entre la lame et la matière qu'on découpe, ce qui évite justement que ça adhère à la lame, et donc qu'on se blesse. C'est long. Ok ? Du coup, j'avais rincé tout à l'heure le persil. Donc là, on a du persil plat. Notez-le. La semaine prochaine, on écoute ce que vous nous demandez. On a trouvé un dispositif. Vous êtes là. On a trouvé un dispositif pour vous proposer les ingrédients avant d'attaquer l'émission. Comme ça, vous pouvez le faire à la maison. On va le faire. Mais demain, dans le replay, sur la chaîne YouTube, dans la description, vous aurez toutes les quantités d'ingrédients. Donc, on va prendre que la moitié de nos herbes. On se servira de l'autre moitié tout à l'heure. Et on va prendre la moitié chacun. Voilà. Donc là, on est sur du persil plat. Tu l'as bien ? Ce qu'on va faire, regarde bien, c'est très impressionnant. Ça va être génial. Tu tournes et tu ramasses le plus possible ton persil, ok ? Oui. Voilà, t'es prêt ? Ensuite, action du couteau. Donc là, t'es chez moi, c'est très bien parce qu'on va vous montrer la technique. Regardez bien, le couteau, là, mon poignet, je vais essayer de vous montrer, il fait ce mouvement-là. On laisse en fait la courbure de la lame faire le travail, on laisse bosser sur le fil. Et regardez, on va hacher assez grossièrement. Ça, on y va ? Voilà, très bien ! Faut que tu fasses vraiment voyager tout le couteau. Là, t'es que sur la pointe, tu vois. Regarde, je te montre. Regarde bien le mouvement. On avance, oui. On revient. Voilà. Un effet de guillotine. Sans trop presser sur le verre. Et on va aussi mettre... les tiges. On va les hacher, on ne perd rien. D'accord.
Tout ce que vous n'utilisez pas, là par exemple j'ai beaucoup de tiges, je ne vais pas forcément utiliser. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous le gardez, ce genre de choses-là. Les fans de carottes, un petit instant. Le bout de doigt aussi, je garde. Tu t'es coupé ou pas ? Pas du tout. Ah très bien, très bien. Ah oui. T'es déçu ? Non, non, parce qu'en fait j'ai mon âme d'année qui est derrière les caméras et qui me fait 10 lui pour les doigts. Donc en effet, on verra ça tout à l'heure avec les oignons. Ce que je disais donc... Là, on a les fans donc, de persil, vous avez les fans de carottes, vous avez les pelures de carottes, vous avez les vers de poireaux, tout ça, quand vous en servez pas, vous le mettez dans un bol au frigo, vous gardez. À un moment donné, vous mettez ça dans un faitout avec de l'eau et vous laissez mijoter, vous avez un fabuleux bouillon de légumes. Donc voilà, on met ça de côté. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Et Thibaut, il y a les fans de la cuisine aussi, ils sont sur le chat. Hein. Ah, les fans de la cuisine, merci beaucoup, mon Arthur. Quel humour. Quel humour. Arthur, il est très fort. Alors, on y va, tu prends... tes herbes, oh là là, doucement, le talon. Et voilà. Mais tout ça. Ouais. Bah t'es bien là. C'est bien ça. Voilà. Ok. Là tu vas faire mon commis, mon amour. Tu prends ça, ça, et tu rinces. Ça marche. Et on nettoie notre plan de travail. On y va. Bon. Et on va incorporer. Je devrais toujours faire un petit regard pour regarder le retour, pour savoir où je dois regarder la caméra. Eh, mais on apprend en même temps, vous êtes là et tout, voilà, on apprend en même temps. Voilà, vous utilisez les fans, vous utilisez tout ça pour un bouillon de légumes. Mercredi prochain sur ma chaîne Twitch perso, on débriefera cet épisode de la cuisine et je vous montrerai comment faire un bouillon de légumes maison. Alors là, on a notre viande qui est en train de mariner. Tu vois ? Encore besoin des poules ? Ouais, on va s'en servir, on met les devant nous. Notre viande qui est en train de mariner, on la met au frigo. Pendant, donc je vous disais, c'est bien 2 heures, mais là on a 30 minutes, c'est bien. Alors, hop, ça part au frais, on s'occupera de la cuisson après. On va mettre en stand-by quelques instants cette préparation. On va mettre en... voilà, je savais que t'avais envie de faire ça. On va mettre en stand-by cette préparation, on va s'occuper un petit peu de pâtisserie. On va cuisiner sans de ça, Stark. On va cuisiner sans de ça. Phrase qu'aurait pu prononcer ce bon vieux Ramsay Bolton. Mais on retombe toujours sur un Ramsay quelque part. Hein. On tombe toujours sur un Ramsay. C'est vraiment le pire chien de la casse. Ça, c'est vrai. Pire chien, ouais. C'est vrai. Lui, c'est vraiment. Lui, tu vois, quand il est mort, je me suis dit. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien. C'est pas déceptif. Je sais que. Comment il s'appelle ? Ce bon George, il aime bien. Surprendre le plus possible. Ah, bah oui, c'est sûr. Son lectorat, ou donc du coup son audience. Là, Ramsay, tu te dis, lui, c'est obligé. Il va souffrir fort, tu vois. Ouais, ouais. Bouffé par ses propres chiens, moi, je trouve que c'est un bon truc. Ah non, après... donc on va spoiler Game of Thrones. Donc ah oui, non, on va spoiler. Attends. Alors, justement, on va avoir cette discussion. Les gens qui crient au spoil quand le truc est fini depuis 1000 ans, ça va aller, mettez-vous à jour. Alors, on va mettre nos ustensiles de côté, les couteaux là, très bien. On va mettre la préparation pour... le dessert sur le côté, la ricotta, toc toc. Et là, on va fabriquer. On va pas s'en servir tout de suite. On va fabriquer les cakes au citron de Sansa Stark. On a préchauffé notre four à 180 degrés. Et ça, c'est chouette. Et ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Les cakes au citron, c'est important pour Sansa Stark. Hein. C'est symbolique. J'ai l'impression que c'est très symbolique. Est-ce que tu te rappelles à quel moment on sait qu'elle aime bien les cakes au citron ? Alors, dans les livres, c'est dès le début, parce qu'elle en parle à sa famille, etc. Dès le premier banquet. On se fout un petit peu d'elle, parce qu'on imagine bien qu'à Winterfell, des citrons, ça pousse pas là-bas, donc il faut les faire venir de très au sud, donc un ça coûte très cher. C'est ça que tu veux dire. Donc, c'est un plat de riche, déjà, de toute façon, ouais. Quelques citrons. Riche dans le Nord, c'est-à-dire que c'est déjà pas des gars hyper respectés. Quoi. À Port-Réal, ils se foutent de la gueule des riches de Winterfell. Et par ailleurs, dans la série, c'est en saison 3 qu'on en voit pour la première fois, je pense, avec la famille Tyrell qui propose à Sansa. Elle retrouve un petit peu des relations normales après avoir été bafouée et maltraitée par Geoffrey depuis... C'est dur 16 minutes et puis après, retour à la vie merdique. Retour à l'enfer. Exactement. Ok, oui, et en effet, comment elle s'appelle la vieille ? Olenna Tyrell qui essaie de lui faire du petit peu du charme. On vous apporte des petits cakes au citron, si vous aimez ça. Ouais, pour essayer de la mettre dans la poche. On s'est renseigné. Du coup, alors, j'ai eu peur. C'est l'instant où t'allumes ta balance et où elle te fait. Non. On va donc. Regarde bien, ça va être très important. On tare. Je vais te demander de mettre 100 grammes de sucre ici. Très précisément, c'est ça.
Hop. Sois précis. Là, je vais t'apprendre à faire un truc que tu pourras refaire à ta meuf facilement. 102, c'est bien. Ça passe. Alors. Oui, je bois mon café, je suis très fatigué. Hier, j'ai fait la musique, les amis, hein, avec Dina, Menro, Mizu, Lucky. On a performé. On a été très bons. Bon. Alors, un truc qu'on va faire maintenant. Sinon, on va avoir des problèmes. Regardez ça. Tu vas maintenant me peser, s'il te plaît. 135 grammes de beurre. On est sur du beurre paysan breton, moulé, demi-sel. Je sais pas ce qu'ont nos caméras aujourd'hui, mais je ne vois pas ce plan de travail aussi bleu. Mais c'est beau. En revanche, je trouve que c'est pas mal en termes de couleur. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous préférez, dans le chat, les amis, ce que vous voyez par rapport à d'habitude. Tu prends un couteau là-dedans, 135 grammes, s'il te plaît. Je vais te sortir une petite casserole. Est-ce que vous préférez les couleurs réelles ou les couleurs imaginées par la caméra ? Imaginées par la caméra. 135 grammes. Voilà. Donc ça fait un 250. Toc. Voilà. On va faire comme lorsque tu es venu sur ma chaîne YouTube cuisiner des sabayons. T'as dû battre la crème. Oh oui, t'as j'ai dû battu. Battre la crème pendant 10 minutes de manière ininterrompue. On a utilisé les rotors que sont tes bras pour ça. Bah, tu vas faire pareil. 135. Parfait. 10, tu mets dans la petite 6. Casserole. La petite casserole. À côté de toi. Voilà. On va garder ce beurre de côté. Ah, c'est bon. Merci. Hop. Hop, la balance, on va la garder, on en aura encore besoin. Hop. Alors, on va faire fondre ce beurre. Pareil, toujours un petit peu peur. Voilà, on va surveiller, on va faire fondre ce beurre pour pouvoir l'incorporer plus facilement à notre préparation. La balance, on la met de côté, notre plan de travail est à peu près propre. Franchement, je suis assez impressionné, Sylvain, je tiens à te le dire d'habitude avec mes autres invités. Et c'est la phrase qui va faire en sorte qu'ils ne reviendront plus jamais. Certainement. Avec mes autres invités, on passe autant de temps à nettoyer et à faire la vaisselle que le reste. Là, t'es bien. Tu vas casser 4 œufs dans le sucre. T'as dit ça juste avant que je casse les œufs. Voilà. Vrai. Alors, ce qui va se passer, je te le dis juste avant que tu casses les œufs. Les amis, le sucre, le sel, ça cuit quasiment tout de suite. Ça commence la cuisson des œufs. Donc, on les casse. Attends, je vais d'abord te sortir les fouets. On les casse et ensuite... Les coquilles, je les fous n'importe où sur le plan comme ça. Les coquilles, non. Ah bah c'est pour ça que je te demande. Regarde, petite poubelle de table. Voilà. Les coquilles là. 4 œufs entiers, 100 grammes de sucre. Voilà. T'as essayé de casser les œufs un peu comme ils font dans les films à une seule main ? Ah pas, non, je fais pas ça moi. Tu veux que je te montre ? Vas-y. Bon, alors quand tu casses. J'ai déjà vu faire ça dans une émission. Quand tu casses sur une surface plane, pas sur le bord. Les vieux de la vieille te diront, ça évitera de mettre les... Là, je vais te le montrer un petit peu en fanfaronnant, mais je peux rater à tout instant. Absolument. Voilà. Ouais, on y va. Voilà. Deux, tu m'as dit 4. 4, s'il te plaît. Pareil, quand vous cuisinez, je vais vous dire un truc qui va vous paraître teubé. Quand vous comptez les œufs, gardez toujours la boîte à côté, ça vous permet de savoir facilement. Voilà. Et là, tu peux tout de suite mettre ça. Moi, je m'occupe de la poubelle. Tu blanchis tout ça, s'il te plaît. Tu fouettes. Et tu blanchis, voilà. Alors, voilà, nous fais pas une omelette. Ah, pas trop fort, donc. Si, bien sûr, vas-y. T'essaies bien de récupérer, tu essayes de récupérer, s'il te plaît, 100% de l'œuf, du sucre, voilà. Alors, je vais te montrer. Je me permets de te montrer, parce que là, tu vois, vas-y. Tu tournes. Oui. Quand on fouette, c'est bien, quand on fouette. Alors, là, par exemple, je comprends, tu vois, je vois qu'il se plie. On va le tenir plus bas. Mais oui. Et en fait, autant tu fais passer l'air, tu fais rentrer l'air, tu appuies aussi. Il y a un espèce d'effet de... tu essaies de durcir la préparation. Voilà. Ça marche. Ok. J'en fous de partout. Ouais. Bon, là, ça va, non ? Non, c'est bon, c'est bon. D'habitude, j'en fous partout. Bon, après, c'est vrai que quand vous avez une force herculéenne comme la mienne, j'ai une petite tendance à plier les fouets en deux. On peut parfaitement mettre plus de sucre, ça ne pose aucun problème. L'intérêt du sucre dans notre préparation, c'est qu'il va un petit peu caraméliser, cristalliser. Ça va être top pour le goût, parce qu'on veut apporter du sucre, étant donné qu'on va mettre un peu de citron dedans. Le citron va apporter de l'acidité, et on combat en cuisine l'acidité avec le sucre, et vice-versa. Ça va calmer le lobby en plus. Exact, et ça va calmer le lobby. Très bien. Ok. Donc là,
Tu vois, on a notre beurre qui fond là. Absolument, oui. C'est le moment de... Hop, tes petits chiffons là-bas. C'est le moment de peser notre farine. Ah. Voilà, donc tu prends un bol qui est ici. Voilà, de la... Et on a besoin de 100 grammes de farine. Peut-être un peu overkill ce bol-là. Un plus petit peut-être. Hop. Voilà. Très bien. Je te fais la tarte, tu prends la farine, c'est de la francine, envoyez-nous de la thune s'il te plaît. 100 grammes, tu me dis. 100 grammes s'il te plaît. Wow. Voilà, tu peux utiliser une cuillère à soupe sans aucun souci. Je vais regarder l'heure, les amis. Aujourd'hui, on a oublié d'installer la petite horloge. Il est 13h, c'est bon. C'est parfait. Voilà, on fait fondre le beurre. À nouveau, le beurre, si vous voulez qu'il fonde plus vite, là, on a un petit peu de temps, mais vous le coupez en cubes, vous réduisez en fait sa taille, vous augmentez sa surface de cuisson et du coup, bah, ça fond. Excuse-moi, il faut que je te dise quelque chose. Oh, c'est maintenant que tu m'avoues tes sentiments. Ouais, ça c'est du sucre. La farine, c'est la grande boîte avec marqué farine dessus. D'accord. Mais c'est pas grave, on va le mettre de côté là. Ça ressemble vachement à la farine. J'aurais pu te le dire avant, je t'ai pas vu faire. Je regardais le beurre, j'étais concentré pour pas que ça brûle. Ah, c'est du sucre glace. Ouais, mais on s'en servira pour le glaçage. Ça montre ma maîtrise en cuisine, effectivement. Mais écoute, on est très honnête, les gens se foutent de ta gueule. Non, ça va, c'est avec bienveillance. Moi, j'ai la chance d'avoir une communauté assez bienveillante. Juste avant, c'était la box sur le stream. Si vous voulez, vous pouvez venir, on peut en parler. Ah oui, c'est vrai, ouais. On peut en reparler en boxe. Ah, mine de rien, t'as fait tes devoirs. T'es venu, mais t'as un peu regardé ce qui se faisait quand même. Ouais. Non, mais c'est bien, il est bien ce gars-là. Voilà. Bande de chenapans. Bande de chenapans. Toc. Alors, au niveau de la programmation cet après-midi, je vois que vous posez la question. Je ne sais pas ce qu'il y a juste après nous. Mais je sais qu'à 16h30, il y a la fabuleuse équipe de Jeux Actu, orchestrée, dirigée par le célébrissime et fantastique Maxime Chao. Le sémillant. Le sémillant Maxime Chao, le gourmand Maxime Chao. Maxime Chao passe sa vie à bouffer. voilà, c'est dit. Et voilà, ils vont vous parler d'énormément de choses, des news, de Cyberpunk, tout ça, j'imagine. Et ils vont aussi vous parler de Bad Boys, what you gonna do? C'était cringe, du dernier Bad Boys qui va arriver là, très bientôt. Alors j'ai pris mon temps parce que tu voulais T'as pris ton temps parce que t'as fait 99, j'ai dit 100, l'enfoiré. Non, c'est bien. Donc tu peux refermer ce petit bol de farine et tu vas prendre un sachet de levure, tout de suite, là-dedans. Je vous le dis parce que j'ai oublié de vous en parler. À la fin de cette émission, sur Twitter, vous allez aller sur le compte de Le Stream. Voilà. Et vous aurez un petit RT et follow Le Stream GastronoGeek pour participer à un concours qui vous permettra de gagner une copie de Dragon Ball Z Kakarot sur PS4 ainsi que, attention, c'est moi qui régale, vous ne me voyez plus, ainsi que des bols de type Dragon Ball Z pour vos soupes, pour vos nouilles, pour vos petits déjeuners. C'est moi, c'est cadeau, ça régale. Kakarotto. C'est vrai que t'es un peu fan de Dragon Ball aussi, peut-être, non? Ouais, je suis assez fan de Dragon Ball, oui, carrément. C'est vrai que c'était la question qu'on s'était posée. Tenshinhan et Satan Petit Cœur Power. Ah ouais, merde. Tu vas me dire que bientôt Yamcha, il est indispensable, que... Ah bah Yamcha, c'est une victime indispensable, bien sûr. C'est une victime indispensable. Puis en plus, il joue au baseball, il me semble. Ok, on va se démerder. Yamcha, tu nous aides? Non, on déconne. Enfin, tu vois ce que j'ai fait. Même si, ouais. Alors, farine, tu vas prendre... T'as mis la levure déjà? Oui. Putain, mais il est bon. Il est bon. Easy. Je suis obéissant en plus. Non, mais ça, c'est bien. Allez, casse. Ça, c'est mignon, ça. Machine du démon. Ok. Bon, qu'est-ce que ça fout là, ça? Très bien. Alors, pareil, on va prendre... Alors, il y a un truc très très drôle. Je vois que Elodie à table est dans le chat. Salut, Elodie. Bonjour, Elodie à table. Voilà. Je suis Sylvain Debout. Merde. Prends ce couteau et plante-toi. Non, en fait, si tu connais bien en pâtisserie, Elodie. Et là, cette semaine, j'ai un ami journaliste culinaire qui a fait un article sur le « Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas tamiser les poudres ?» Bien entendu, il parle pas... Oui, non. Tu vois, Pablo te dirait voilà. « On tamise toujours les poudres !» Mais en pâtisserie, bon, non. Et en fait, tout le monde explique que c'est mieux pour l'intégration, l'incorporation des poudres, farine, sucre et compagnie. En fait, il semblerait, et les spécialistes s'accordent à dire... Les études récentes, des moulins et ainsi de suite, s'accordent à dire pour que, en fait, non. Arrêtez de vous emmerder, avant, on tamisait les poudres, parce que lors du processus, dont j'ai oublié le terme extrêmement technique, donc de raffinage des farines, oui. On pouvait laisser différents petits reliquats
qui en effet emmerdaient l'intégration des farines. Mmh. C'est pour ça qu'on tamisait. Maintenant, elles sont tant si bien et si souvent raffinées et tamisées que quand elles arrivent là-dedans, ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent marquer en gros garantie anti-grumeaux. Comme quoi l'air industriel a du bon aussi. On a. Non, mais t'es fort. On a. Là, je vous montre, attention, on n'est pas dans la grande pâtisserie, on fait bosser un noob. On a notre beurre qui est fondu. On a notre beurre qui est fondu là. On va trouver une petite écume. Alors, c'est toujours un petit peu la surprise. L'écume des jours, Boris Vian. Oh merde. Il a de la culture. C'est pour faire semblant d'avoir de la culture. Ouais. Je voulais une petite écume. J'ai pas une petite écume. Ah si, voilà. Voilà, bim, boum, boum. Voilà, on est bon. Du coup, ce qui va se passer. Regarde bien. Attention, ça va être très rapide. T'es prêt ? Ah, un tour de magie, oui. T'es prêt, hein ? Est-ce que tu peux me prendre un autre fouet, s'il te plaît ? Un autre fouet. Voilà. Levure chimique, pas levure boulangère. T'es prêt ? Attention, vas-y, je me permets. Non, mets-toi. Voilà, hop. On met les poudres. On met les ingrédients secs dans les liquides. Est-ce que tu vois ce geste sûr qui est le mien ? Je le vois. Qui est celui... Tu peux l'avoir en zénithal, parfait. Quand vous montez une crème, quand vous incorporez... Voilà, vous tournez, en fait, en sens... Alors ça, c'est le sens anti-horaire. Avec votre main gauche, si vous êtes droitier, sens horaire avec la main droite. Dans certaines cultures celtiques, notamment, le anti-horaire porte malheur. Et le horaire, c'est très bien. Ouais. C'est les mecs qui brûlent les gauchers et tout ça, ces gens-là, non ? Exactement. D'accord. Alors, voilà. Là, on a notre base. On pourrait faire ce gâteau-là, ça pourrait être pas mal. Je peux te garantir que si tu mets pas le beurre, ça va être sécos. On a attendu un petit peu que le beurre refroidisse. Est-ce que tu peux verser ce beurre, s'il te plaît, à travers cette petite écume dans la préparation ? Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Donc, comment ? Tu vas, tu vas, tu vas. Et on va incorporer. Parfait. Tu mets ça dans l'évier. Il est bon. Et là, tu vois, on va tout de suite avoir un appareil sans grumeaux, complètement lisse et homogène. Et c'est ce qu'on veut. Pas trop sucré. Je pense déjà à la fin quand on va manger. Ah oui, bah là, tu y es, toi. C'est vrai que t'es un gourmand. T'as l'air comme ça, il pousse à la salle, t'as raison. Quand il tape dans l'œil de Sauron, le mec, on y va. Alors voilà, on va balancer un petit peu de zeste. Je vois que j'ai mon citron vert et mon citron jaune. Est-ce que vous voyez en façade mon citron jaune ? Tu le vois quelque part ou pas ? Je ne vois pas de citron jaune. Ben, on va prendre que du citron vert, c'est très bien, mais pas de souci. On va bien. Alors, on utilise les zestes. Ce qui veut dire que, bien entendu, quand vous utilisez les zestes, on utilise un citron de quelle qualité ? Est-ce que tu sais ? De quelle qualité ? Qualité fermière, bien sûr. Qualité fermière. Non, on utilise des citrons bio. Ah, en fait, on part du principe que dans le bio, il y a forcément moins de produits, moins de pesticides. Et comme on utilise vraiment le pesticide, il va vraiment se stocker. Je ne sais pas si tu peux l'avoir en zénithal. Il va vraiment se stocker dans les premières couches du fruit. Et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, le zeste. Et pas le ziste. Le zeste, c'est la première écorce. Le ziste, c'est le blanc à l'intérieur. C'est beaucoup plus acide, beaucoup plus amer. Nous, on veut juste le zeste. Tu as déjà utilisé cet instrument ? Oui, quand on avait fait l'œil de Sauron. Eh bien, vas-y. Tu zestes bien le citron vert. Alors, tu peux faire comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire ? Vas-y. Je suis une... Ah, quel traître. Non, vas-y. Je suis emmerdé, j'avais un citron jaune. Peut-être mis au frais, hein. Alors ? Oui. Ouais, comme ça. C'est bon, tu l'as ? Alors, et voilà. C'est mieux comme ça, non ? Exactement. Et je fais gaffe de ne pas avoir le ziste parce que tu m'as fait peur. Exactement. Mais vraiment tout le citron ? Bah vas-y, c'est ce qui va apporter. Alors, on va en garder. Garde un tout petit peu du vert parce que tout à l'heure, quand on aura fait notre glaçage, on va zester un petit peu. Et tu peux zester le jaune aussi, s'il te plaît. Mais zestons ! Est-ce que tu sens tout de suite ? Ah, ça, bah, au niveau de l'odeur, oui, ça... C'est tout de suite, hein, c'est instantané. C'est merveilleux. Les amis dans le chat, j'espère que vous passez un bon moment. On rappelle la recette que nous sommes en train de faire actuellement. Nous faisons les... Je regarde un petit peu. Les cakes au citron de Sansa Stark. Exactement, et après, nous procéderons aux pâtes étoiles blanches de Witcher. Ça, c'est chouette. Je regarde un petit peu. Donc. Ouais, c'est très bien. Hop, on le met de côté. Hop. Là, t'as déjà oublié. Vas-y à fond. Mais j'ai peur de le prendre. C'est pas grave. Tu le prendras et on goûtera. C'est pas grave. Faut essayer en cuisine. Ça, c'est les tryharders.
Je suis pareil. Hier, dans la musique, j'étais en mode « Ouais, attends, s'il n'y a pas de panache, on va faire du Bon Jovi !» Pas de soucis. Quelle émission, ouais, la musique. Je ne peux pas parler en même temps que tu, ouais, que je fais ça. Parce que je suis monotache, comme je suis, voilà. Non, mais c'est bien. Garde-moi un petit peu du zeste aussi. Là, on est bien, ok ? Très bien. Top. Alors, voilà. Ça là-bas. Tu peux juste le rincer sous l'eau, oui. On le garde. Voilà. Ensuite, vous incorporez. Déjà, c'est très très joli de ce qui se passe, là. Le zeste. Ça sent très bon. Et là, sache un truc, les fondants sont prêts à cuire. C'est chouette. Tu pensais que c'était aussi facile ? Ah non. Voilà. Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va prendre une petite louche là-bas, sur le côté. On va, alors, prendre un plat. Julien, peux-tu m'attraper derrière un non, c'est bon, attends, c'est bon, je l'avais prévu. Tu vois, regarde. J'ai l'impression d'être dans Dark Crystal, la série de Netflix. Je recommande. On est des vendus. Que je recommande. Non, mais c'était chouette, le personnage avec une louche. On peut parler des choses qui fâchent ou pas ? Ah oui, parlons des choses qui fâchent. Très bien. Alors, si on doit parler des choses qui fâchent, comment ? Parce qu'on a un peu la même logique, toi et moi, on essaye de faire du contenu qualitatif. Et parfois, c'est un peu crève-cœur parce qu'on parle de choses qui nous passionnent. Et ça ne trouve pas ses viewers sur YouTube. Ah ouais, Dark Crystal, t'avais pu aller à Londres et t'avais pu interviewer Louis Leterrier. Ouais, l'interview Louis. C'est pas rien. Ah ouais, mais il était super cool, vraiment, belle rencontre. Le mec, plus grand que toi, le gars. Ouais, il fait 1m95, ouais, à peu près. Le bousin. 5 cm de plus que moi. Et il était complètement passionné par Dark Crystal, le film, évidemment, de l'univers, 1983. Donc on voit la filmo de Louis, ouais, Leterrier. On pourrait pas le... Ouais, on l'attendrait pas dessus, hein. Louis Leterrier, ouais, c'est le gars qui a fait un Hulk. Le premier transporteur aussi. Le transporteur, exactement. Qui a aussi fait le Choc des Titans, je crois. Le Choc des Titans, ouais. C'est lui qui a ouvert des portes à Hollywood parce que ça a quand même bien performé. Ça a performé. C'est, ouais, pas un grand film, mais ça a performé. Mm. Et du coup, eh ben, le mec se retrouve à faire un chef-d'œuvre d'animation, ouais, entre le tradi et le, ouais, moderne. Tout en marionnette. Ils ont vraiment fait le maximum en effet pratique. Et, moi, je trouve que l'effet est super bien réussi. Du coup, comment tu vis, en tant que créateur, d'avoir ces opportunités-là, d'aller à Londres, d'aller discuter avec les créateurs, les réals et tout ça, ou même de parler comme de séries comme Watchmen, très récemment sur HBO, et de malheureusement voir que ça trouve pas son public, alors que bah, tu parlerais de Titan, par exemple, ou de séries DC. Oui, ça ferait un peu plus Titan. Un peu plus de vues, tu vois. Ouais. Comment tu vois les choses ? Comment t'envisages ? Est-ce que toi, dans ta création, t'as quand même une grosse réflexion ? Tu dis, faut quand même que j'en parle parce que ça me passionne, ou j'ai pas assez de temps ? Je vais peut-être parler des choses qui me passionnent et qui vont marcher d'abord. C'est complètement un équilibre à trouver. Sur Watchmen, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un gros carton. Ouais. Au fur et à mesure, je me suis accroché chaque semaine et ça faisait toujours entre 25 et 30 000 vues. Alors, sachant que j'ai 450 000, là, ça, ouais, c'est faible. Ça fait genre 5% de mes abonnés. Ouais, ouais, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu, tu vois, ça peut même faire fuir des gens. Est-ce que tu penses que c'est la mauvaise distribution de ces séries-là au grand public? Parce que HBO, donc c'est OCS. C'est principalement OCS. Principalement OCS. Quasiment que... Netflix, c'est beaucoup plus répandu, beaucoup plus. Oui, ça joue énormément. Ça joue énormément. Puis déjà, de base, Watchmen, c'est une série de niche, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment, pour en profiter, il faut bien connaître au minimum le film et si possible le comics. Ouais. Le roman graphique. Le roman graphique. et je te laisse développer. Le roman graphique, Alan Moore, il était contre. L'idée, il est contre toute prolongation de son travail. Et du coup, comment toi tu te positionnes en tant que fan de ces univers-là? Et je vais loucher parce que puisqu'il faut que tu répondes. Comment tu te positionnes? Je discutais avec le commis des comics qui lui me disait, moi j'ai du mal à en parler parce que le maître veut pas qu'on en parle, parce que veut pas que ça existe. Commis des comics, c'est lui qui a fait une super vidéo pour présenter le roman graphique justement, ouais, il me semble. Exactement. Ben en fait, il faut savoir que là malheureusement, c'est Dave Gibbons, le dessinateur, qui est quand même hyper important aussi dans Watchmen. Lui, il a complètement donné son accord. Ok, ça bypass le papa, quoi. Bah, il est co-créateur du truc, hein. Ils ont travaillé pour les idées, bon voilà quoi. Après. J'ai envie de dire, tant que c'est bien fait, moi, ça me va, quoi. Moi, de mon point de vue, la série Watchmen était complètement dans l'esprit du roman graphique, parce qu'ils ont reparti sur quelque chose de politique, d'un peu dérangeant, avec un fort point de vue, avec, quelque chose un peu aussi, un mélange entre on se moque des super-héros, mais en même temps, on les révère. C'est les deux choses. Oui, c'est un peu ça. Et moi, je l'ai regardé. Je t'avoue que
J'ai aimé le film de Snyder. Très divertissant, très bien foutu. Enfin, c'est un film de super-héros. Ouais, visuellement. Très bien foutu. Bien mieux que ce qui, malheureusement, il fait. Mais c'est sans doute le propos d'origine. Ce qu'il a fait avec Batman vs Superman, avec tous ces films-là. Même si celui-là en version longue. En fait, le Director's Cut est bien. Et, ouais. Le pas Director's Cut, il manque tellement de trucs que tu en finis par pas comprendre. Même en version longue, il est loin d'être parfait, mais il se laisse bien regarder. Et puis bon, il y a que cette fameuse scène de Batman dans l'entrepôt qui est la meilleure scène de baston de Batman jamais vue. Quel que soit le média, pour moi. C'est vrai. La scène où il est assez violent. Il défonce tout le monde en mode. Ouais, mais c'est vrai. Par contre, le fait qu'il tue des gens, effectivement, ça pose un gros problème par rapport à la définition même du personnage. Tu penses? Ah, pour moi, Batman, oui. Batman, pour moi, c'est le parano ultime. En fait, pour moi, c'est le violent hyper contenu. Complètement, mais le fait que. En fait, si tu lui fais passer la barrière de finalement il tue des gens, l'existence du Joker n'a aucun sens, déjà. Ok. Oui, ça te met totalement. Totalement. Et du coup, tu regardes la série Titans ? J'ai pas commencé la saison 2, j'avais regardé la première et j'en avais fait une vidéo pour couvrir l'ensemble de la saison. Ouais, ouais. Ce qui est un peu le problème avec pour ton format à toi, des séries Netflix qui sont binge-watchables. Oui, mais après, sur un truc comme ça, je ferais pas du épisode par épisode, par exemple. Autant sur Watchmen, ça s'y prêtait, parce qu'il y avait énormément de détails, etc. Sur The Witcher, j'aurais bien aimé le faire, mais effectivement, là, le format binge de Netflix m'en a empêché. Alors, je poursuis. On a mis dans les petits moules, ça part 15-20 minutes à 180. Vous remarquez que j'ai rempli aux deux tiers les moules, parce qu'en fait, ils vont pousser. Pareil, je n'ai pas beurré les moules en papier parce que vous pourrez les enlever très facilement. Alors, tout ça, moi je t'avoue, j'ai commencé à regarder la saison 2 de Titans. Tu sais, je me sens toujours un peu coupable quand je regarde les séries CW, DC, tout ça, parce que tu sais, parce que franchement, Arrow. Ça a bien commencé. Arrow, ça commençait très bien. Ça a mal continué. Oh là là. Mais ils arrivent actuellement à tisser des choses très intéressantes avec le multivers qu'ils sont en train de développer. Bah là, ils ont fini même. C'est fini, je crois. Oui, totalement. Crisis of Infinite Earths. Exactement. Ça, je trouve que c'est tellement ambitieux en série télévisée que ça se salue. Mais après, je sais pas à quoi ça ressemble. J'ai pas vraiment. Je sais pas si, comme moi, parce que moi, ils ont activé la cloche fan service, tu sais, en utilisant le père de Barry Allen dans la nouvelle saison, la nouvelle série de Flash. C'est le gars qui jouait Flash quand moi j'avais 15 piges. Dans les années 90, ouais. Tu vois, il y a tous ces mecs-là, récupérer Mark Hamill. Tu avais vu la première ou deuxième saison de Flash ? De Flash. Il jouait le Trickster dans les années 90. Oui, j'avais vu. Qui était l'un des grands ennemis du Flash. Et du coup, dans cette série-là, il a repris son rôle de Trickster. Et il est emprisonné. Un type, un espèce de copycat... lui fait, le fait sortir de prison, le remet en place, le Flash, nanana, et t'as une scène magistrale où t'as Mark Hamill en Trickster qui dit au môme qu'il a fait sortir « I am your father », tu vois, genre, et les mecs font des caméos de caméos avec des... À ce moment-là, je me suis dit, c'est gros, mais ça passe. Sachant que de base, Mark Hamill, c'est lui qui fait la voix du Joker dans la série animée. Dans la série Batman, donc... non, mais voilà. Je suis très content que Mark Hamill revienne un petit peu, là. Ouais. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, on parle de Witcher, il y a des gens qui le verraient bien en Vesemir, l'espèce de mentor de... Ah, j'espère. Geralt. Le retour de Mark Hamill en Luke Skywalker, moi, j'ai trouvé qu'il avait été, parfaitement, parfaitement réalisé. On parle pas du film, mais le mec. Le mec, quand tu prends le grain Yalak, c'était dans la trilogie originale, la barbe, la posture, le fait que lui, dans sa vraie vie, il ait une grosse phase alcool, traversée du désert et compagnie. Tu récupères un Jedi en ruine et tu remets juste le même mec qui a passé une vie un peu merdique et ça ressort un petit peu plus près. En Vesemir, moi, je trouve qu'il... Ouais, ça passerait bien. Et en plus, Vesemir, c'est aussi un pince sans rire. Donc, dans l'histoire de Witcher, si vous avez joué au jeu, lu les livres et ça, Vesemir, c'est le mentor de Geralt. Et c'est sans doute le doyen de l'école du loup. Il a un ton un peu paternaliste avec Geralt, tout en le vannant un petit peu machin. Et je trouve que c'est quelque chose que Mark Hamill saurait parfaitement faire. Ouais, ce serait cool. Hein. Je trouve que ça serait assez chouette de le revoir un peu plus. Ouais, carrément. Après, il a pas une méga. Ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il avait pas une méga palette d'acting. Il faisait beaucoup de voice acting. Il est très très fort là-dedans, mais pas une méga palette d'acting. Alors regarde, on va faire un petit peu de. On va faire du glaçage royal. Très on a bien. Mis nos trucs. On fait tout le sucré et après on finit sur le salé. Vous allez voir.
Donc, on va séparer les blancs des jaunes. Oh. On a... Alors, attends, il faudrait peser, là. C'est quoi ? Il faudrait... Le mec est con. Je crois que j'ai cassé l'œuf. On va peser, parce qu'il nous faudrait 100 à 200 grammes de sucre glace. Merci. Ah oui, t'avais pesé 100. T'étais sur 100, c'est bien. Oui. On va mettre un peu plus. Glaçage royal. Alors, trois ingrédients de base. Et après tout, Sansa, c'est un peu devenu la reine de Winterfell. Hein, la fin un petit peu, c'est un peu la Tolia. Alors, la dernière saison, elle fait discuter. Mais la scène où les mecs doivent décider qui va diriger le bordel... Pique-nique de... Ça. Non, non, mais alors, t'as cette scène-là. Mais t'as la scène où l'oncle, tu sais, qui a servi à rien, qui a été otage, qui a machin... Il se lève, il y va, en mode... Moi, je serais, je pense... Tonton, oui. Ta gueule. Assieds-toi. Meilleure scène de Sansa pour moi, finalement, tu vois, on assoit son pouvoir et tu sais, tous les mecs en face sont en mode. Ouais, vas-y, actionne. Trois ingrédients pour le glaçage royal, le sucre glace, le blanc d'œuf, un blanc d'œuf. Voilà, donc là, je vous montre, tu l'as en zénithal, parfait, comment on sépare le blanc des jaunes. Vous pouvez garder le jaune pour d'autres préparations, là tout de suite maintenant, j'ai rien de spécifiquement précis à faire avec. Je me lave les mains et il faudrait prendre ce citron, tu le coupes sur le planche à découper, tu coupes en deux et tu presses un petit peu. Vous remarquez que sur le plateau, j'ai aussi mis du jus de citron, il est juste là. On peut parfaitement le verser dedans. Voilà, c'est bien. C'est suffisant ? Ouais, c'est bien, on va commencer comme ça. Tu vas prendre la Maryse, qui est la spatule souple, que j'ai mis à ta disposition, et tu vas mélanger, incorporer. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. L'idée, c'est de tout mélanger. En fait, l'acidité du citron va commencer un petit peu à attaquer le sucre va attaquer le blanc d'œuf, tout ça va se mélanger. On va essayer d'en faire une pommade. Cette pommade, plus on va la travailler, plus elle va être lisse, plus elle va être brillante. Je lis vos commentaires, j'ai laissé le café sur la table. Merci, bravo. Non mais très sympa. Ils ont l'œil. Non mais ils ont l'œil, ils ont le bon, ils sont exigeants et heureusement parce que sinon ça se passerait pas aussi bien. Je suis en train de faire un carnage je pense, hein. Je sais pas s'il y a des... Montre-moi. Vous êtes plus vigoureux ? Non, c'est bien. D'accord. Tu l'as en zénithal ? Ah, c'est vachement bien, regarde. Est-ce que je peux me permettre d'aller tâter du truc ? Ah bah, tâte, hein. C'est très bien. Donc regardez, vous voyez cette pâte ? On va un petit peu casser les grumeaux de sucre. Bah, c'est top. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on va aller chercher à lisser. Tu vois comme c'est lisse. Si on veut épaissir, on rajoute du sucre glace. Si on veut liquéfier, on rajoute du jus de citron. Voilà, bah, t'as fait le taf, hein. Tu vois, là, c'est beau. À quel moment on rajoute les bouts de doigts des frais des jumeaux? tu voudrais venir sur ma chaîne à l'occasion que je te montre comment on fait une tourte à la viande en... Regarde, alors, et là, normalement... T'es prêt? Attention, ça va être impressionnant. Au ruban. Voilà. Donc là, toc. On en a fait une petite quantité. Vu le temps que ça prend, si on doit en refaire, on en refera. Ce qu'on prendra, c'est qu'on prendra quelques-uns de nos cakes tout à l'heure et on les trempera dedans. D'accord. Fini. Finito. Donc, notre glaçage royal est prêt. On va mettre notre petite vaisselle dans l'évier, on mettra au lave-vaisselle ensuite. On va tout de suite filmer au contact. Il y a des gens qui demandent pourquoi on met du citron vert et du citron jaune. Alors, c'est uniquement une question de goût. Là, dans notre préparation, on a zesté du vert. Le citron vert, il a un côté un petit peu plus sec, acide, mais il apporte un petit côté sucré. C'est vraiment un arôme spécifique, le citron vert, qui est très, 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 très chouette. Ça apporte en gamme aromatique à notre préparation. Voilà. Alors, regarde. C'est avec ça que tu as utilisé en rouleau à pâtisserie il n'y a pas si longtemps, non ? Et regarde mes émissions, j'aime bien, je me sens flatté un peu. Oui, exactement. Ce que vous avez investi depuis le stream, là ? On a alors, 750 grammes. On est dans la cuisine de 750 grammes, je te demande de nous respecter un petit peu. Non, elles n'ont pas investi. On va filmer au contact. Ça veut dire qu'en fait, on va apposer... C'est du full contact, c'est ça ? On va lui mettre des patates. Regarde, on va... Ah, c'est vicieux, ça. Ça m'a saoulé. Ah oui, c'est normal. Électricité statique. Tu veux que je le recoupe ? Non, non. Alors, il y a une technique pour éviter l'électricité statique, c'est de mouiller
totalement ce film plastique, d'en faire une boule et de la détendre. L'électricité statique s'en va. Moi, je ne veux pas ajouter d'eau à ma préparation. Donc, en fait, je vais gentiment poser comme ça. Je vais tendre. Merci. Je vais tendre, mais j'ai dit au contact. D'accord ? Donc, tu peux relâcher maintenant, tu vois. Pourquoi on filme au contact ? Parce qu'en fait, on veut éviter et la condensation et on veut éviter que ça sèche. Que ça fasse une croûte. Voilà. Ça, voilà. Vous l'avez fait en avance, on a filmé au contact. Ça se garde une journée au frigo si c'est pas consommé tout de suite. Très bien. Tu glaces, tu manges. Voilà. Sinon, au frais, 24-48 heures. Après, c'est juste que ça se, la préparation, elle se cuit trop, elle se délite. Et on perd tout l'intérêt que ça peut avoir. Est-ce que j'ai regardé mon four au moment et mon horloge au moment où j'ai mis au four ? Non. Où est-ce qu'on en est ? Ça pousse bien ! Ah, parfait. Ça colore. Et ça sent bon. Ouais, à la salle. Ça pousse, on se croirait à la salle. On va passer à la cuisson du reste. Ouh, allons-y. Tu nous sors le yaourt avec le poulet dedans. Donc là, on passe à la préparation de notre plat Witcher. Une recette du chef Ramsès Gorton qu'on trouve dans le DLC Blood and Wine de The Witcher 3, The Wild Hunt. Tu avais pu jouer à ce jeu ? J'avais joué un tout petit peu à The Witcher 3. J'avais bien aimé, mais je me suis rendu compte que si je continue à jouer à ça, je vais y passer 100 heures, 200 heures. Tu t'es dit, peut-être j'ai une vie. Ouais, je vais pas. Mais j'avais le projet de m'y remettre avant la série et ça n'a pas du tout abouti. Pour pouvoir un peu. Pour en parler un peu, quoi. Mais ouais, ouais. Je n'ai pas trouvé le temps. Mais c'était pas une mauvaise idée. C'est assez intéressant quand tu as joué au jeu parce que du coup, ça se positionne bien avant la série, du coup. Puisque le jeu. C'est après les livres. Tu poursuis Ciri qui a des problèmes, tu es à sa recherche. Ciri, ah merde. Ouais. Ouais. Elle est déjà adolescente et tout. Oui, alors, tu sais, avant, je soutenais les copains, j'allais les chercher quand ils étaient en galère de vanne. Là, j'ai décidé que j'avais ma propre mission. Maintenant, c'est t'as raison. On utilise une pince. Sais-tu pourquoi on utilise une pince ? Est-ce que la viande s'est dissoute dans la crème ? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on utilise une pince ? Pour pas se salir les doigts. Alors, déjà. Non, mais c'est une bonne réponse. En soi, c'est ingénu comme réponse, mais mon fils aurait pu la faire s'il savait parler. Non, c'est simplement parce qu'en fait, on ne veut pas piquer la viande. Ah, on ne veut pas piquer la viande. On ne peut pas aller prendre un couteau quand même, je ne suis pas un barbare. Non, mais une fourchette ou machin. Voilà, donc là, on a notre viande. Elle est belle, elle est colorée, elle est attaquée. La pâte, on sent que la marinade, le yaourt, tout ça, ça a pris, ça s'est densifié autour de la viande. On va mettre ça de côté. On peut parfaitement s'en servir en sauce, déglacée, tout ça, machin. Voilà. On sort la viande quelques instants. Mais sinon, pourquoi il ne faut pas piquer la viande ? Mais je crois que je l'ai dit. Mais je peux le redire si tu veux. En fait, c'est simplement qu'on veut éviter de toucher à son enveloppe extérieure. Parce que quand on va cuire, on va créer une première croûte. On va réaliser une réaction de Maillard. On va créer une première caramélisation. On veut toujours que cette viande-là soit très juteuse. Donc, ce qui se passe, c'est que si on pique à un instant T, surtout pendant la cuisson... Le jus, en fait, à l'intérieur, le sang, tout ça, toute son eau va sortir et on va se retrouver avec une semelle avec laquelle on pourra frapper les gens, mais avec laquelle manger sera compliqué. On a nos champignons forestiers. Alors, j'ai pris des champignons réhydratés parce que c'est pareil, mon petit primeur, il n'avait pas de belles girolles, tout ça. Mmh. Donc, on a un mélange de cèpes, de girolles, de pleurotes. Je les ai réhydratées, elles sont revenues à la vie. On va les poêler. Ensuite, on prend une poêle plus grande. Si j'ai ça, elle dit ça, ça c'est une poêle à crêpes. Il y a 30 000 poils, il faut savoir. Il y a 30 000 poils, c'est vrai. Voilà. Ça me paraît pas mal. Tu vas prendre un petit peu de beurre. En caméra, Thomas, est-ce que tu peux me dire sur quel plat qu'il est mieux que je mette la poêle ? Celle-là. D'accord, donc celle-là. Très bien, merci. Tu mets, tu coupes le beurre. Et tu mets vraiment, tu vois, deux traits. Un trait, un seul trait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je parle pas bien. Je suis ému. Attends, on fait un peu chauffer la poêle d'abord. On va faire revenir les oignons. On a changé nos plats, ça va pas du tout. T'es pas content. T'étais mieux ici. On va faire revenir nos oignons dans le beurre. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que ça leur donne un bon goût. Parce que le beurre, c'est le bonheur. Voilà. C'est ma phrase. Je vais me la faire tatouer un jour. En vrai, oui, moi, je préfère cuisiner ce genre de choses au beurre. On pourrait les faire à l'huile d'olive. Mais le beurre, la caséine du beurre va vraiment chemiser
les champignons permettent de caraméliser un petit peu. Voilà. Donc on fait chauffer notre poêle. On va saisir les oignons, ça va être très très rapide. Ça va être impressionnant. Je préfère te prévenir, ça va être impressionnant. Je vais rincer ma petite planche à découper. Tu remarqueras, j'ai remis le poulet dans la marinade. Simplement, on va gagner. On va continuer à mariner, tu sais. Oui, c'est sûr. Le temps qu'on fait autre chose. On garde un œil et le nez sur notre four parce que quand on cuisine, les qualités organoleptiques des ingrédients qu'on cuit. T'as vu, j'utilise des termes techniques. Non, mais ça, je suis estomaqué. Ouais, c'est impressionnant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, organoleptique ? Pas du tout. D'accord. Bah, tu te casses maintenant. Organoleptique, ça veut dire qu'en fait, c'est toutes les qualités qui font utiliser tes sens, voilà, qui réagissent avec tes sens. Donc, par exemple, quand on amène un plat, les qualités organoleptiques, c'est est-ce que c'est beau à regarder ? Est-ce que c'est bien dressé ? Est-ce que c'est bien caramélisé ? Est-ce que ça nous crée de l'appétence ? Est-ce que ça fait utiliser nos petites glandes ici ? Est-ce que ça fait saliver ? L'odorat, ça joue beaucoup. On mange beaucoup à la rétro-olfaction. En fait, quand on amène dans la bouche, c'est beaucoup le nez qui nous fait sentir les choses. Voilà. Donc là, cette poêle réagit parfaitement à la vache. On va attendre un petit peu, parce que si tu mets le beurre là... Il va roussir. Il brûle. Roussir, c'est un beau terme. Mais là, il va noircir. Alors, hop, on est bien. On va juste attendre un petit peu que ça refroidisse. Quelle heure il est, les gars, s'il vous plaît ? 1h30. Il est 1h30, bon, on est nickel dans les temps. On n'a jamais été aussi nickel dans les temps. J'ai des phrases comme ça, j'ai le beurre, c'est le bonheur. Mm-hmm. Et l'autre fois, on bossait avec Sarah, petite Cassiopée dans le chat. Merci, mon chéri. T'es en retard parce que Sylvain me l'avait déjà dit. Voilà, mais je t'aime, Arthur. Et petite Cassiopée, on commence à parler du beurre. Et je lui dis, est-ce que tu sais quelle quantité de beurre il faut ? Et à la fin de la fin, on s'est dit, le beurre, 2 points, jamais de trop. Et j'aime cette maxime, tu sais, chantante. Je suis né dans le Nord, là-bas c'est cuisine au beurre. T'es d'où toi alors ? Dis-moi dans le Nord, mais quel Nord ? Moi je suis né à Lille. T'es né à Lille, t'es de Lille ? Exactement. Je serai à Lille la semaine prochaine ou la semaine suivante, je le dis comme ça. En dédicace à la FNAC. Je devais y être aujourd'hui, mais j'ai fait annuler pour pouvoir être avec toi. Oh, c'est beau. C'est vrai. Plus c'est vrai. J'ai dit, Captain Popcorn, il y a des fortes chances que je ne l'ai pas toutes les semaines. Si on pouvait s'arranger, ça m'arrangerait. On y va avec notre beurre. Voilà, donc là, tu vois, ils font. Ils brûlent pas. C'est tout ce qu'on veut. On va refaire monter en température notre poêle. C'est joli ce qui va se passer là, j'aime autant vous le dire. Tu peux monter à 7. Voilà. Est-ce que vous passez un bon moment dans le chat, les amis ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que ça rigole ? Est-ce que ça rissole ? Pourquoi j'ai dit ça ? Alors, voilà. Captain Popcorn, le boss. Les gens t'aiment quand même. Hein. Moi, j'ai vu... C'est émouvant, ça. C'est agréable. Hein. Tu sais que le live, ça a cet intérêt. Vous êtes fantastique. I love you. je suis jamais aussi fanfaron. C'est parce qu'on se connaît un petit peu et je suis un peu plus à l'aise. Comment dire ? L'intérêt du live, je le dis parce que vous êtes là, c'est un peu comme quand on parle d'une personne à la troisième personne alors qu'elle est à côté de vous, c'est que c'est sans appel, tu sais tout de suite si tu déconnes. C'est sans filtre. Et j'aime bien ça. Et ils sont, moi j'ai la chance, les gens qui viennent dans la cuisine, que ce soit ma communauté ou les gens que j'ai rencontrés grâce au stream, merci le stream, les gens sont bienveillants ici. C'est à ce moment-là que tout le monde va me cracher au visage. Un concours de pompe, c'est bizarre ça. Un concours de pompe, vous alors, vous savez... Derrière, on fait ça derrière, puis on dit... Personne ne voit rien et on dit que j'ai gagné. On est 3050. Là, ça rigole, parce que vous avez la version Thibaut in shape, la version Thibaut pas in shape. En vrai, attention les gars. Tu m'as comparé à Thibaut in shape. Non, je suis flatté. C'est la petite veine, restons-en là, s'il te plaît. Non, mais c'est parce que je m'appelle Thibaut, ça me permettait de faire la vanne. Ah merde, c'est toi. C'est ce qu'on appelle, tu le sais dans le milieu, setup payoff. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un setup payoff ? C'est un fusil de Tchekhov. Tu peux ou pas ? Ah bah, tu le sais ! Bah, que setup payoff, tu mets en place un truc et ça permet de... Tu crées le début, tu lances la balle, voilà. Tu frappes la vanne. Comme dans Jeanne et Serge. Est-ce que tu... Alors, moi, derrière cette caméra, il y a l'un de mes meilleurs amis qui est venu nous rendre visite, qui s'appelle Julien, qui fait un travail fantastique tout le temps. Vous pourrez le retrouver dans moult choses. Il m'a expliqué 2-3 trucs quand on s'est connus et qu'on avait commencé à écrire des scénarios, dont un MacGuffin. Le MacGuffin, je me trompe pas.
MacGuffin. Tu sais ce que c'est qu'un MacGuffin ? Oui, oui, c'est juste c'est le truc qui va motiver les protagonistes à agir, tout simplement. Très bien, est-ce que tu... C'est qui, c'est comme dans le dernier Star Wars, il y a plein de MacGuffin intermédiaires. Ce qu'on appelle aussi le Deus Ex Machina dans le Star Wars. Ça, c'est pas, c'est encore autre chose. Mais ils ont plein de petits objectifs intermédiaires pour les motiver à faire, des trucs. Ouais. Alors, Julien, il m'avait raconté une anecdote. Pendant ce temps-là, on fait revenir... Je ne fais rien du tout, hein, mais j'aime bah bien. Non, mais attends, là, pour le coup, la recette est très simple. Toc. Julien m'avait expliqué, c'était quoi cette scène, Julien ? Deux mecs dans un train ? Ah oui, c'est ça, mais c'est qui ? C'est Hitchcock qui racontait ça ? Hitchcock raconte ça à Truffaut. Donc, c'est deux mecs dans un train. Il y a un gars, tu me dis si je me trompe, il range une valise un peu... Et l'autre lui dit, qu'est-ce que c'est ça ? Le gars dit, ça, c'est une valise pour enfermer les tigres. Et donc, le mec lui dit, bah, ça n'existe pas, une valise pour enfermer les tigres. Et le mec lui répond, bah, du coup, c'est pas une valise pour enfermer les tigres. Et du coup, ça a permis de générer une discussion entre deux mecs à la base de rien, en fait, qui n'avaient aucune raison de se parler, ainsi de suite. Et Hitchcock s'en servait beaucoup, les MacGuffin, ou pas du tout ? Il y en a dans tous ces films. Voilà, là on est bien. Est-ce que tu peux me remettre cette petite caméra de côté là qui nous montrait ça sent ces bon. Petits... Ah, ça sent pas mal hein, déjà. Mmh. Ces petits champignons forestiers. T'étais vraiment dedans. J'aimais bien ce petit zoom de l'amour. Oh là là. Mmh. Oh là 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 là. Alors voilà les amis, on est sur la recette Witcher de Blood and Wine, le DLC de Witcher 3, les pâtes étoiles blanches. On a des tagliatelles fraîches ici, on les garde pour la fin. Alors je passe pas ma main. Et là en fait, on va faire revenir pendant une dizaine de minutes au beurre, les champignons, on a de la girolle, on a du cèpe, on a de la pleurote là, il n'y a rien à faire. Voilà. Les champignons, il y a une règle aussi les amis, je l'ai montré dans mon petit tuto de cette semaine. Ne mangez pas ceux que vous ne connaissez pas. Alors ça c'est une règle très importante. C'est vrai que ça, commencez pas à vouloir vous reconnecter avec la nature en allant en forêt. Non, champignons, je vais le manger, c'est bon, j'ai la chiasse. Il y a une scène dans Witcher, la série que j'aime bien. Tu sais, quand ils tuent un... Ils partent tous à la quête du dragon, là. Et ils tuent une créature dont j'ai pas identifié. C'est une espèce de chevalier, comme ça. Je vais tuer la créature. Le chevalier servant de Yennefer. Il tue la créature, il la bouffe. Je mange tout ce que je tue. Le personnage du vieux lui dit « Devriez pas manger ça ?» Le mec fait « Je mange tout ce que je tue. » 5 minutes après, le gars, il est en mode « Et la scène d'humiliation la plus totale. Avec Yennefer qui est en mode « C'est pas en train d'arriver. C'est pas en train d'arriver. » Voilà, donc n'allez pas. Oh ! Heureusement qu'ils sont là. À l'odeur, on est bon, je peux te le dire. Quelques minutes encore. Merci les gâteaux, on nous fait signe. Si on peut goûter, on est là. Ah, ce sens du sacrifice. On en a fait. Les gâteaux, encore un petit peu. Encore quelques minutes. Je sais que vous regardez au compteur. Vous gérez toujours votre four à la maison. Ce four-là, je ne cuisine qu'une fois par semaine. Ici, je ne le maîtrise pas forcément bien. À la couleur, je peux vous dire qu'on est bien. À l'odeur aussi. Alors, on va un petit peu augmenter. Quand des gens disent que ça spoil sur The Witcher, comme si tu vois, c'était un très grave spoil. En vrai, est-ce qu'on vous a raconté l'histoire ? Non. Est-ce qu'on vous a raconté l'histoire d'un mec qu'on ne reverra plus jamais, qui est intéressant et qui s'est retrouvé à chier en forêt parce qu'il avait mangé un truc qu'il n'aurait pas lu ? Oui, c'est tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc, il faut faire très attention. On fait bien suer les champignons. Non, la règle hyper importante, c'est de ne pas les saler en début de cuisson. Il reste 3-4 minutes normalement là. D'accord, on est bien. On les sale pas en début de cuisson. Pour plusieurs raisons. Ça va simplement saler, ça va appeler l'eau à l'intérieur des aliments vers l'extérieur. C'est là que la cuisson, c'est ce qu'on fait. On fait évaporer l'eau des aliments. Si on amène du sel, ça va faire sortir l'eau. Et du coup, ça va mettre de l'eau de végétation dans la poêle et ils vont bouillir dans leur propre jus. C'est rarement agréable. Ah oui, c'est intéressant ça. Hein. Voilà, donc quand on fait les champignons comme ça, là, on a déjà une belle poêlée. D'une manière générale, l'assaisonnement, c'est plutôt vers la fin, non ? Ça dépend vraiment. Quand tu veux saisir une viande ou ainsi de suite, par exemple, tu vas saler le bœuf, tout ça, tu vas vraiment le saler, je dirais, même correctement, et même limite masser un peu la viande avec le sel. Oui. Okay ? Pourquoi ? Parce que quand tu vas tout de suite le mettre dans une poêle très très chaude, à feu très vif, pour créer tout de suite la caramélisation, le fait que quelques minutes avant, tu aies mis le sel et tu aies fait pénétrer le sel, tu as fait remonter tout le sang à la surface, en fait. Et c'est ça qui va ensuite tout de suite caraméliser, créer la croûte. La croûte, elle va permettre ensuite de garder le jus à l'intérieur de la viande. Ça va garder sa juteosité, sa tendreté, ça va être plus agréable à manger. C'est ce qu'on va vouloir faire ici. Donc là, pas grand-chose de plus à faire. Tu regardes un œil sur la montre. Théorie 2 minutes, si on garde sur 10, on reste 10 minutes. Mais en vrai, on est bien là. C'est bien. Ouais, là, en vrai, on est bien.
On va laisser finir ça quelques instants. On va... Je laisse la plaque ou... Non, non, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais juste hacher tout de suite les herbes qui nous manquent. Le même mouvement que tout à l'heure. Donc là, on hache. Et toi, The Witcher, alors, t'as trouvé ça inégal ? Inégal, eh ben, c'est exactement ça. En fait, ça fait très connard et très, comment dire, sirpompe de te dire ce que je vais te dire, mais j'ai regardé la série, j'en ai pas trop parlé au reste des collègues avec lesquels je bosse, issus du milieu journalistique, n'est-ce pas ? J'ai couché mon fils un soir en écoutant ta vidéo, et je me suis dit, je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte. Par exemple, il y a une scène de dragon. Bon, quand après, en fait, quand des mecs font des films comme Van Helsing, où on a des garous aussi impressionnants, film pourri, mais... Des garous très impressionnants. Quand on a du Game of Thrones avec des dragons très impressionnants, on peut pas faire du Harry Potter. J'adore Harry Potter. Mais s'il y a un truc pathétique dans les films Harry Potter, c'est les garous et les dragons. C'est nul. C'est pas beau, quoi. Et du coup, je trouve que c'est difficile de modéliser les dragons comme ils l'ont fait. Mais ça, c'est un détail. On va débarrasser nos champignons. Voilà. No spoil, il veut pas savoir s'il y a un dragon dans The Witcher. Mais il y en a pas. Oui, il y en a un, on sait pas. Non, mais voilà. Suspense. Mais no spoil, les gars, s'il vous plaît. Hein. Ouais. Faut bosser vos... Non, mais ok, on arrête de parler de l'histoire et tout ça. Moi, j'ai bien aimé la série. J'ai bien aimé la série parce que je suis très heureux de voir un mec comme... On va remettre un petit peu de beurre dans notre poêle et on va le faire fondre. Et on va tout de suite mettre le poulet. Hein. On discute. Moi, j'ai bien aimé Henri Cavill. J'aime bien Henri Cavill, je sais pas quoi vous dire. Ouais, moi, j'aime bien aussi, il était bien. Hein. Je trouve qu'il s'est hyper impliqué. Ouais, bah de toute façon, on sait qu'il était, il est à fond sur le, de base sur le jeu, puis sur le personnage. Et ouais, tout, ouais, ouais. Ouais. Non, mais ça se voit et tout. Ouais. Et franchement, je l'ai trouvé assez bien. Ça porte beaucoup. J'avais très peur quand ils ont annoncé le casting des jeunes filles. Yennefer, je la voyais pas du tout comme ça. Quand tu joues au jeu, t'as un mélange entre Liv Tyler et Eva Green. Oui, j'ai vu le. Tu vois, dans le jeu, et du coup, c'est quand même. Des nanas qui ont une monstrueuse classe et un charisme de fou autant qu'une plastique de rêve. Du coup, là, au début, j'avais peur. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'elle est à la hauteur ? Moi, qu'est-ce qu'elle est juste ? Je trouve très bien, ouais. Ah oui, franchement. Et de base, il avait beaucoup plus de dialogue, en fait, qu'Avil. C'est vrai ? Et ils ont décidé, au moment du tournage... De lui mettre que des phrases à base de... Comme il rendait bien les trucs avec juste des regards, des petites mimiques et tout, ils ont dit... C'est vrai qu'il y a énormément de communication non-verbale. On va couper les dialogues. Au niveau du four, on en est où ? Alors, on va piquer. On pique si la lame revient bien. On va en piquer un là. Attention, ça va. Voilà. Si la lame revient... Parce que je me brûle, en fait. Si la lame revient bien et qu'elle revient lisse, c'est que c'est parfaitement cuit. On vous montrera ça tout à l'heure. On va les laisser... on va laisser refroidir. On va s'occuper de ça. Notre beurre est fondu. Attention, il roussit le beurre, Sylvain. Hop. Ah, moi, oui. Il n'a pas brûlé, c'est pas grave. Quand j'ai pas d'instructions, je fais de la merde. Et je suis désolé, j'aurais dû te donner les instructions. On reprend. Je te regarde notre faire, poulet. Tu vois. On va essayer. Pour l'instant, le beurre, il brûle pas là. Ça va. Ok. De toute façon, oui, il refroidit. Tu remets sur la plaque. Hop. Voilà. Bon, là, ça va. Il mousse un petit peu. On a les sucs de la cuisson des champignons. C'est ça la coloration. On va vouloir saisir la viande. Toc. On est en train de me dire le déglaçage. Justement, Julien, il me rappelle ma recette au cas où je me rate. Non, je vais d'abord cuire un petit peu la viande pour balancer les sucs de la viande dans la poêle et après, pan, je déglacerai au vin blanc. Pan. 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 C'était un piège, il ne m'a pas eu. Ok, on y va. Boum. Voilà. Là, je peux te dire... C'est magnifique. C'est joli, non ? Ah oui ? Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est bien colorer. Donc saisir à feu assez vif. On va vouloir colorer, saisir à feu assez vif les faces. Et ensuite, on va cuire une dizaine de minutes, mais à couvert. Donc pareil, on ne pique pas la viande. Tiens, attends, je vais te laisser faire. Je suis désolé, je te laisse pas trop cuisiner. Voilà. Je retourne. Tu vas retourner juste pour voir un petit peu où on en est. Voilà, on peut. Hop, tu remets tout de suite. C'est pas assez coloré. Donc là, tu vas utiliser ta pince en appuyant légèrement sur la viande pour faire balader, pour que le beurre, le yaourt. Voilà, vas-y. Balade tout dans la poêle. Voilà, n'aie pas peur. Là, les gars, vous êtes en train de nous faire. Si les gens voient chez eux ce que moi je vois à l'écran, c'est joli. Maintenant, t'arrêtes d'y toucher.
On va monter un tout petit peu le feu à 8. Ça sent bon ou pas? Oui, c'est appétissant. C'est appétissant, c'est gentil. Vous n'avez pas l'odorama, malheureusement, pas encore. Donc en cuisine, on est un petit peu obligé de... tout le monde me dit souvent, ouais les gars, ils surjouent et tout. Non. Mais si on communique pas, vous n'avez rien chez vous. Et c'est pas ce qu'on voudrait. Là, je pense qu'on est pas mal. On reprend les pinces. Voilà. Ça sent le curcuma, tu vois, il revient là. Mmh. Hop, voilà. Et là, on a une petite caramélisation. Jolie couleur. Ah, c'est joli ça. Ouais. Voilà. Après, on peut faire un truc. Regarde. On va faire un petit beurre aromatique mousseux. Regarde. Tu m'avais dit de pas trop manger ce matin. J'ai suivi ton conseil. Ah bah j'espère. Du coup, j'ai. Tu vas manger. Hein. Ah. Tu vas manger. Regarde. On fait un petit beurre. Alors, mets-toi sur ma gauche. Je vous montre une petite technique, toujours appréciable. On récupère le beurre. Tu vois, tu récupères le beurre. Et tu. D'accord. Et t'arroses. Mmh. Hop. Gentiment. Celui-là, il manque un petit peu de coloration, donc on va aller le chercher. Hop. Ah, on apprend des trucs, hein, c'est bien. Hein. Bah j'essaye. Voilà. Voilà. Là, hop, tu vois, on va essayer de créer cette première petite croûte. Tant qu'il est moelleux comme ça, c'est qu'il n'est pas cuit à cœur. Mmh. Ne vous amusez pas chez vous, s'il vous plaît, à manger du poulet rosé comme certains sur internet le font. Quelle si vous le faites, invitez-moi, je viens et avant de le cuisiner, je mets une grande claque dans la gueule. De déconner. Non, voilà, faites pas les cons avec ça. Voilà. Donc là, tu vois, notre volaille, elle est tip-top, elle est parfaitement caramélisée. Et là, là, mon chéri. Là, tu vas réduire la température de cuisson, non? Eh ben oui, bien sûr. Tiens, tu verses, je te dis stop. Verse bien là. Je verse là. Et là, on déglace au vin blanc. Vas-y. Hop, on arrête. Et là, pour déglacer, on va gratter un max. Tu vois? On va gratter un max. Ça sent bon. Avec, bien entendu, une spatule en bois pour ne pas rayer. Oh, bah, il y en a un hyper-glas, c'était le moment. Voilà, toc. On fait s'évaporer l'alcool. C'est ce qu'on est en train de prendre dans les narines, là. Cette espèce d'odeur désagréable, un petit peu. L'alcool s'évapore. Voilà. On laisse s'évaporer l'alcool quelques instants. Et ensuite. Merci. Hop là. Et ensuite, on va couvrir. Pourquoi? On va baisser le feu et couvrir. Oui. On va faire une cuisson un petit peu à l'étouffer. Pour que ce soit tendre, que ça reste tendre. Exactement, que ça reste tendre et juteux à l'intérieur. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, en cuisson, je pense que. Tu vois, si on cherche la coloration. On est pas mal là. Ah, c'est chouette. Voilà. Faudra que demain je revoie l'émission en replay pour bien me mettre tout le truc en tête parce que je suis. Tu vois là, je suis t'es concentré dedans. Sur ce que tu fais. Voilà. Hop, voilà. Demain sur ta chaîne. Exactement. Là, franchement, c'est très joli ce qui sort. On est bon. On va maintenant baisser le feu. Vraiment. Et on va couvrir. Alors. Normalement. Voilà. On va vraiment baisser à feu doux. Ah putain, ça fait bien quand ça s'arrête. Là, on va laisser, du coup, les jus, les alcools, tout ça. L'alcool est évaporé, mais on va laisser les arômes à l'intérieur cuire à l'étuvée pendant une petite dizaine de minutes. Regarde ta montre. Quelle heure est-il, les amis? Il est moins 13, 2h moins... Donc il est 47, si tu veux. Il est 47, très bien. Oui, non, c'était ça. Attends, il est parce que... Ok, donc à 14h... À 14h, attends. Toc, à 57. Garde l'œil, à 57, on regarde où on en est. À 57, ça va être très simple. Hein. On va remettre les champignons, on va remettre les herbes, on va mettre la ricotta, et puis on va laisser partir et on va lancer une casserole pour nos pastas. Donc on va prendre un grand volume d'eau, on va le faire bouillir. Est-ce que tu peux prendre derrière ma pub Il y a une bouilloire, ouais. Tu remplis bien et tu lances une ébullition. Voilà. Si on veut plus de sauce, on peut mettre plus de vin, on peut aussi remettre un petit peu de yaourt. Tout ça, ça va parfaitement fonctionner ensemble. Alors, voilà, là j'ai trop baissé. Surveiller la cuisson, les plaques, tout ça. Voilà, on va checker ça. Bon, on nettoie notre plan de travail, c'est un peu le bordel. On va faire attention. En tout cas, est-ce que pour l'instant tu passes un bon moment? Mais absolument, bien sûr, ouais. Non, je m'emmerde. C'est cool. Cette question con aussi, il faut dire. Est-ce que tu veux un petit peu de jus de citron?
Du jus de citron comme ça, pur? Ouais, pur. Non, merci. D'accord. Il paraît que c'est bon de prendre ça le matin. Pour bah ouais, en quoi, fait, mais... c'est pas mal pour la flore intestinale. Ouais. Exactement. Moi, je trouve ça un peu sévère quand t'as rien fait. C'est genre, ah, d'accord, mais... Il y a des gens qui méritent quand même. Mais il y a des gens qui méritent, ouais. Mais alors... Je regarde un petit peu le régime alimentaire de The Rock, parce que c'est un peu mon objectif dans la vie de devenir ce gars-là. Alors, une... déjà, t'as une bonne part de stéroïdes. T'as ensuite une bonne part d'œufs crus quotidiennement, quand même. Alors, merde. Alors, voilà, c'est bon. Bah, t'es bon, là. C'est comme ça. Laisse ça tranquille, c'est bon, ça part. T'as la petite lumière. Ah, voilà. Voilà. La loupiote. La loupiote. Alors. Ceci dit, ouais, il a beau prendre des stéroïdes, il faut qu'il mange bien, il a déjà une génétique de ouf. Et Il se déplace sur chacun de ses tournages avec 50 mètres carrés de salle de sport. Il affrète des avions avec sa salle de sport à lui. Le mec, il peut se permettre ce genre de conneries. Ouais, le mec donc, peut tout se permettre, on est d'accord. Mais c'est un bourreau de travail. Hein, oui, oui, alors c'est vrai qu'il est assez décrié. Je crois que Ricky Gervais, au Golden Globe, lui a fait une pique. J'ai pas regardé. T'as pas vu l'intro des Golden Globes de Ricky Gervais, parce qu'elle est magistrale comme d'habitude. Bien sûr, on m'a dit, c'était intéressant pour ça, mais j'ai pas regardé. Et en fait, à un moment donné, il fait le truc, c'est que maintenant, tous les acteurs qu'on voit, ils sont ripped off, tu sais. Ouais, genre, clairement. Mais on n'a pas de catégorie. Ils se tournent vers le hors-champ. On n'a pas de catégorie pour les mecs qui bossent beaucoup le sport. Puis après, il regarde la caméra, il fait non, parce que tout le monde saurait qu'il gagnerait. Et donc là, on pense que c'était pour The Rock. Sachant que pour avoir son niveau, il faut ça, mais il faut aussi savoir s'entraîner comme une brute. Et comme une, ouais, ouais. Donc il faut avant d'être un comédien, ça reste un ancien sportif de haut niveau. Ouais, son père vient de mourir, il était catcheur aussi. Ah oui, j'ai vu un message hier sur Instagram, j'avais pas compris que son père venait de mourir. Qui était un catcheur comme lui. Ouais, puis un mec, pour l'époque, massif quoi. Forcément, ouais. C'est pas un hasard si le mec il est aussi. Si le mec est comme ça. Aussi gigantesque. Alors, regarde là. Oh là là, regarde ça. On a encore 7 minutes. Ouais. On va un petit peu enduire de sauce, de beurre. On va monter un peu la température. 14h, pas 57. On va se tenir au courant de tout ça. On va laisser ça là. Bon. Pâtisserie? Oh oui. On remélange. Retour to Game of Thrones. Alors, regarde. Là, on prend un petit. J'aime autant vous dire que notre préparation, ça se démoule tout seul. Ah, c'est marrant. Hein. Tu l'as là-haut? Regarde, on va montrer un truc fun. Regarde ça. Tu le vois, ce moelleux, là? Si c'est sec, vous pouvez pas faire ça. Regarde. Tu vois, c'est rien. Tu goûtes? Ah bah oui. Voilà. Simple. Et bon. Ah, voilà. Bon. Bah, on va démouler ceux qui sont là. On en revoit en saison 4 aussi. Enfin, on n'en voit pas. Je crois que c'est Shae qui propose à... À Sansa de lui faire des cakes au citron. D'accord. Parce qu'elle veut pas bouffer, parce qu'elle a eu vent de la mort terrible de sa mère et de son frère au Nosecourt. Spoil Game of Thrones. Mais même ça, elle veut pas en manger. D'accord. On va mettre ça un petit peu, on va laisser refroidir. Tu l'as, le zeste de citron? Il est là, hein, il est présent, il est au fond, il est là. Ça va, c'est pas trop puissant au point de devenir gênant, ça va. Alors, attends. Une tentative de meurtre là. Ouais. Bon, notre eau. Elle en est où l'eau? Je regarde ma montre. Ça boue pas encore. On est pas mal. Commence tout juste. Ah! J'ai l'ami Marc de Russie qui est donc dans le chat, qui m'envoie régale-moi et qui me fout une pression ultime. Marc, les gens, vous l'avez peut-être connu sur la chaîne YouCook avec Jigme et Pat. Marc se trouve être un vrai chef cuisinier de grand talent, puisqu'il accompagne au quatrième mur et lors de ses tournages Philippe Etchebest. Donc on parle quand même d'un gars qui a un bon niveau. Et donc là, il y a Gastronogeek, et l'ami Captain Popcorn en train de faire de la cuisine devant des mecs comme ça. On va se détendre. Bien entendu, Marc, si tu vois que je fais une connerie, tu fermes ta gueule dans le chat. Tu dis rien, tu casses pas le mythe. Je crois qu'il y a Weiss et Benioff de Game of Thrones qui nous regardent aussi, sûrement. Nickel. Nickel. Oh, c'est ça! Puisque HBO a annulé leur projet de série sur la guerre de sécession, ils ont plus rien à faire. Ils ont plus rien à foutre. Ils s'emmerdent. C'est à cause de la fanbase toxique, ça? Ou pas du tout, je sais pas. Ça pourrait. Alors. On va dire que c'est bon, là. Ça boue fort ou pas? Ça bouillait fort? Ça commence à... Remets, non, il faut vraiment grosse ébullition. Voilà. Les pâtes, on va vraiment les cuire au dernier moment, mais faire bouillir 3 à 5 litres de flotte, ça prend un certain temps. Donc voilà, où en sommes-nous? On a la cuisson
du poulet à finir avec la ricotta, les herbes, un petit peu de yaourt. Ok ? Champignons, tout ça, on remet dans la poêle. On mettra de côté. Faut que j'arrête de lire le chat pendant que t'expliques des trucs. Pourquoi ? Voilà. C'est bien, mais il faut leur répondre, il faut pas hésiter. Tiens, attends, on va parler d'un truc dont on n'a pas du tout parlé. T'as vu la bande-annonce de Morbius ? Bien sûr, j'ai vu. Il y a même des gens qui s'attendaient à ce que je fasse, puisque quelquefois je fais des analyses de bonnes annonces. De trailer, ouais. Mais on a eu le deuxième de Black Widow, Morbius et Bloodshot. Mm. J'ai failli faire les trois versus. Ah ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Morbius alors ? Ben Morbius. Tu peux resituer pour nos amis du chat. Alors Morbius. Alors Morbius, c'est un vampire vivant, donc c'est pas un mort vivant, mais il a tous les attributs d'un vampire. Il a. Bon, on va pas faire la. Il liste. Est joué par Jared Leto. Jared Leto, ouais. Et c'est un film. Oula, il y avait trop d'eau. Ce qui est assez intriguant. Ah, il fuit, d'accord. Ce qui est assez intriguant, c'est que c'est un film Sony. Ouais. Mais à la fin du trailer, il y a un petit clin d'œil avec un personnage qu'on avait déjà vu dans un film Spider-Man. Du coup, on sait pas trop. Que Morbius est un des ennemis de Spider-Man. Bah, c'est un personnage de Marvel, bien sûr. Mais du coup, on sait pas si ça fait partie du MCU, du Marvel Cinematic Universe ou pas. C'est. Est-ce que tu vois ça comme une tentative de montrer qu'il y a réconciliation entre les studios ? Ah bah c'est clairement une tentative de montrer, regardez, il y a des passerelles et potentiellement on va peut-être aller vers un Sinister Six pour un prochain Spider-Man avec ses six adversaires emblématiques. Enfin généralement. Qui sont les six adversaires emblématiques de Spider-Man ? Il y a toute une galerie en fait, il y a plusieurs possibilités pour ces Sinister Six. Et du coup dans ce cas-là, on se dit que ce serait peut-être, je sais pas si je vais tous les retrouver. Le vautour. Ouais. Donc, joué par Michael Keaton. Ouais, le mec, comment il s'appelle, Electro, le mec qui choque avec l'électricité. Electro. Je sais comment il s'appelle. Je crois que c'est Electro. Dans le chat, vous nous dites si on se trompe, hein. On n'a pas la science infuse. Kraven le chasseur, potentiellement. Ouais. Morbius, du coup. Yes. Je sais pas s'il foutrait Venom, ça ferait un peu too much, je pense. Un peu overkill, ouais. Du coup, j'en oublie, ouais. Là, Dans le chat, vous nous aidez ? On prend le sel. Scorpion, ouais. Scorpion bien sûr, Scorpion. Qu'on voit d'ailleurs dans Far From Home. Certains disent Otto, mais on ne sait pas s'ils vont introduire. Et Mysterio, bien sûr, qui serait le sixième. Et on ne sait pas. Enfin, si quelqu'un. Qui est censé. Bon, c'est. Voilà. On ne spoil pas un film qui est sorti il y a bientôt un an, mais. Mais potentiellement lui ou un nouveau Mysterio. Ou, on ne sait pas. Alors, on va faire un truc qu'on ne peut pas normalement faire. On va regarder la cuisson du poulet, il y a deux morceaux, un pour toi, un pour moi. Je ne mange pas de volaille car j'en suis allergique. Oh, je serais obligé de manger les deux. Donc, oui, mais on va tester la cuisson. Non, t'inquiète pas, ce sera pas tout ça. La régie est là en mode... on va tester la cuisson. On va voir où on en est, si on a réussi à faire quelque chose. Tu utilises cette pince et tu me prends le plus petit et le moins beau des deux, tu le mets là. Vas-y. Alors normalement, avant de manger la viande, on va la laisser se détendre, on va la laisser revenir. Je vais te reprendre la pince. Là, on veut juste voir. Non, on comprend, on tient bien. On veut juste voir. Est-ce que tu dépasses la farine, s'il te plaît ? Bien sûr. Le sucre, ouais, le sucre glace. Hop. Donc, c'est la dernière fois que tu me demandes ça au moment où je découpe quelque chose. Non, mais bien sûr que tu demandes quand tu veux, Arthur. Tu es chez toi et sans toi, les gens n'auraient pas de son. Donc là, tu vois, on est parfaitement... La cuisson, elle est nickel. La cuisson est nickel. On n'est pas rosé à cœur. Tu l'as au-dessus ou pas ? Voilà, on n'est pas rosé à cœur. Vous voyez que c'est juteux, vous voyez que c'est moelleux. Quand vous voulez tester la cuisson, vous utilisez une technique de cuisine simple. Je vous montre ça rapidement. Tu peux revenir en plan large. Attends, je me gourre. Désolé, reste en... Regarde. Vous voyez votre main là, qui n'a pas la couleur d'une main normale ? Bon. Vous voyez ce muscle-là ? Si vous voulez comparer la cuisson de la viande et savoir si c'est bien cuit, moelleux, tout ça, vous faites un truc super simple. Vous prenez entre votre pouce et votre index. Là, le muscle ici se contracte. Quand vous appuyez dessus, le muscle revient en position. Ça, c'est bleu saignant. Si vous faites ça ici, c'est à point. Bien cuit. Très cuit. Donc, vous tâtez la viande. Et là, on peut clairement vous dire, vous voyez le jus ressortir, qu'elle est parfaitement juteuse, moelleuse. L'effet... Et réussi. Alors regarde bien. On va balancer directement notre ricotta. On va utiliser un tout petit peu. Ricotta. J'aime bien. Non, mais j'aime bien. Un petit peu de notre yaourt aux herbes curcuma. Et on va aller refaire la sauce avec les jus de cuisson.
Hop, alors je devrais, excuse-moi. Je t'en prie. Toc, ce que je vais faire, tu sais quoi, regarde. Je vais enlever la viande pour ne pas la surcuire. Si j'y arrive, voilà. Et tu vas m'incorporer tous les ingrédients ensemble. Tu mélanges jusqu'à avoir une belle préparation homogène. Quand on a ça, on va ajouter les herbes et on va ajouter les champignons. Si vous voulez apporter toujours un petit peu de liquide à tout ça, vous mettez un tout petit peu d'eau, un petit peu de bouillon, un petit peu de jus de cuisson. C'est pas mal déjà là. On a une belle crème qui a une belle couleur. Tu vois ? Ouais. Tu l'as ? Alors attention, on va rajouter les herbes fraîches. Très important. Vas-y, incorpore. Très joli ce qui se passe à la caméra là. Oignons et carottes, c'était au cas où je voulais faire une base aromatique ou au cas où je voulais faire des légumes glacés. Je voulais vous montrer, c'est très très joli. Voilà, c'est top. Et maintenant, une belle portion de nos champignons que tu vas incorporer de la même manière. Vas-y, à l'attaque. Et Morbius, je suis moyennement enthousiaste. J'attends de voir le film. Tu trouves pas qu'il est plus crédible en Morbius qu'il ne l'a été en Joker ? C'est quoi ta position sur Jared Leto Joker ? Moi, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Après, est-ce que c'est... Les plans qu'on t'a montrés, en fait. Oui, mais après, bon, lui, c'est un bon acteur, de toute façon, mais après, on peut aussi se rater, quoi, hein, ça arrive. On va apporter un petit peu. Mélange bien. Un bon acteur avec un script et une version du personnage pas terrible, de toute façon. Ça va pas très loin, hein. c'est un travail d'équipe. C'est vrai. Pour moi, il est clair que celui de The Dark Knight et de très récent Joker était largement au-dessus. Ouais, le Heath Ledger. Enfin, ce sont des approches différentes à chaque fois, mais... Alors, reviens, continue, mais reste bien. Quand tu te déplaces, tu vois, tu te... Ouais. T'as tendance à te déplacer, reste bien sur la source de chaleur. Que je parle en même temps. Oui, et en fait, tu vois, je vais enlever notre... Hop là. L'eau bout, on est bien. Laisse cette sauce. Laisse-la tranquille. Alors, là, vous voyez, la sauce étoile blanche, elle est là. Alors, est-ce que tu peux prendre cette cuillère, s'il te plaît, et goûter la sauce ? Je ne peux pas le faire, ça a cuit dans le poulet. C'est à ce moment-là qu'on va ajuster l'assaisonnement. Si ça manque de sel, c'est maintenant qu'on le met. On peut ajouter un tout petit peu de sel. On peut ajouter un tout petit peu de sel. Hop. Voilà. Et je vais remélanger tout de suite. Voilà. Là, notre sauce, on va la laisser comme ça. Vous remarquez la viande, on l'a enlevé de la cuisson, on va la remettre sur le dessus de la sauce. Il n'est pas végétarien, il est allergique à la volaille. Je suis allergique à la volaille. Clairement, je ne suis pas végétarien. Si vous voyez les quantités de barbac que je m'attaque quand je ne suis pas content, voilà. Donc on a la sauce ici, on va couvrir ça et on va mettre ça à 1, là, sur le côté. Pourquoi je ne touche pas plus à la sauce ? Une raison très simple. C'est qu'une fois qu'on va mettre les tagliatelles fraîches dans l'eau, elles vont cuire en 2 minutes. On va les récupérer et les mettre tout de suite dans la poêle, avec le petit peu d'eau qui va les suivre. Cette eau, elle va être chargée donc en amidon, et du coup, elle va permettre de lier la sauce un petit peu plus. Allez, du boulot. Ouais. Alors, quelle heure il est, les amis ? Il est 2h02, dis donc. 2h02, t'as vu ça ? Incroyable. Ça bosse ? On fait notre glaçage de sucre glace ? Faisons ça. Alors, très bien. On fait un glaçage dressage, hein, c'est-à-dire on fait ça bien parce qu'après, on dispose. On nettoie un plan de travail. Tu peux mettre tout ça, sauf la pince, parce que... vas-y, tu peux tout mettre dans l'évier. Ça aussi ? Ça, on va le garder parce qu'on veut pouvoir le garder par la suite. Ces herbes-là, elles peuvent parfaitement servir pour une préparation autre. Sans aucun souci. Voilà. On met de côté tout ça. Hop, hop. Voilà. Toc. C'est bien. Voilà, je garde le couteau. Parce que pour le dressage du poulet, très difficile à dresser les pièces de viande entières. Et on nettoie notre plan de travail rapidement. Voilà. Donc. Et les gens, ils sont fascinés par ton allergie. Hein. Bah, je sais pas quoi vous dire. C'est le côté. Je m'arrête devant les accidents de voiture. Non, j'exagère. Ok, j'ai vu ça. Ça fait quel effet et tout. On voudrait voir en live. En vrai, mon médecin et mon assurance et ma femme pourraient venir en me disant non. En live, je fais un œdème de quinque. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un œdème de quinque ? Normalement, c'est un truc qui gonfle. Hein, donc. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Dans la gorge. C'est douloureux. Voilà, donc je peux mourir par étouffement rapide.
Donc on va éviter, on va nous garder notre gastronogique. S'il te plaît. Hein. Donc arrêtez vos questions. J'ai un enfant à élever. Voilà. Et une partie de jeu de rôle à terminer. Oh oui. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'avec Sylvain, on fait du Donjons et Dragons le week-end. S'ils nous suivent sur Instagram, ils le savent. S'ils nous suivent sur Instagram, ils le savent. Big up à Maison Cendre, notre MJ de combat. MJ, ça veut dire maître de jeu, hein, pour ceux qui pour les... ceux qui ne jouent pour pas. Pour les noobs. Est-ce que tu peux démouler plus facilement que ça? Ah bah non, là, je pense. Alors, tu prends le zester, le citron vert. Tu l'as en vue zénitale? Attention, tu piques, tu tournes et tu relèves. Oh, c'est chouette. Donc, tu déposes et tu zestes tout de suite dessus. Voilà, 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 voilà. Hop, t'arrêtes. C'est joli, on est bon. Et tu continues comme ça avec les suivants. Très bien. On va faire un petit truc forestier. J'ai pris le plus difficile à démouler. Hop. Pour démouler, voilà, tu retournes, tu tapotes. Voilà, donc je te remontre, c'est un geste qu'il faut pas attendre. Hein. Faut pas, parce que le sucre, il va appeler la pâtisserie. Et ça va être... Tu piques, tu tournes, tu remontes, ok? Tu piques, tu tournes, tu remontes. Hop, hop. On va la refaire, voilà. Vas-y. Ah, mais il faut que je... Non, mais je vais m'occuper du zestance. D'accord. On garde les pattes pour le dernier moment, hein. Toc, vas-y, parfait. Essaye de bien avoir toute la surface. Plus homogène. Ouais. On pourrait beaucoup plus densifier notre glaçage, le rendre beaucoup plus épais, beaucoup plus blanc. Mais c'est très beau comme ça. Voilà. Je suis un peu généreux sur le glaçage. Vas-y, vas-y, sois-le. Regarde ça. Tac, on va les mettre ensemble. Prendre le jaune. On a vraiment quelques secondes. Vas-y. Voilà. C'est un peu rustique, hein. Moi, j'aime bien. Ça vous plaît, là-haut? Alors... À qui parle-t-il? Je se demande, Sylvain. Qui parle, ce con? Et le prochain, tu vas le mettre sur le plan de travail, là, à côté. Ok? Et moi, je vais disposer ça. C'est gourmand! Totalement gourmand! Voilà. Si tu veux commencer à faire ton plan pour montrer aux gens, sur le côté, tu peux. Alors, nos amis en régie, vous voulez venir en goûter un? Bizarrement, ils disent pas non longtemps à ça. On arrive. t'as eu ce « on arrive » de déploiement tactique? On est en position. Déter. Hop! Je sais que t'as planqué les torchons pour s'essuyer les mains. Voilà. On démoule. Alors là, par exemple, tu as raison. Il y a un petit peu de pâtisserie. Oh, il y a un bout de cake au citron qui dépasse. Vas-y, n'hésite point. On pique, on va vraiment chercher à être généreux. Hop, là. La régie, il faut les soigner. Hein. C'est pas mal, non? Regarde là, à l'écran, là. Ah, c'est magnifique. C'est joli, hein? Alors, si tu comptais Pécho, Sophie Turner avec ça, elle est déjà avec un des frères Jonas. Hein. Je le ken. D'accord. Lui, musicalement, je le prends. Le mec et tout. Je l'invite dans la musique avec Menro. Et là, Sophie, elle va faire... Tu sais que j'ai rencontré Sophie Turner. Dis donc. C'est vu dans mon compte Instagram. Parce que toi, t'as rencontré Miss Sunday, mais en vrai. C'est-à-dire que tu lui as parlé, t'as discuté... putain, son nom ne me revient pas, ça m'énerve. Emmanuel... Eh oui. Emmanuel... Non, c'est son nom de famille, ça, je crois. C'est... Non, Nathalie Emmanuel. Nathalie Emmanuel. Merci. Donc là, j'aime autant vous dire que s'il n'y a pas de mouvement de caméra, s'il n'y a pas de... Et s'il y a un problème au son... C'est parce que toute la régie est là. Allez, non, bah, oh, malheureux, tu prends cela. Viens, passez derrière. Vous vous présentez, hein. Bonjour. Le grand Arthur, Julien, Thomas, la Réal. Donc là, voilà, on vous fait ça. Bah là, tu peux pas. Ça sent bon, hein. Allez, voilà, vous partez avec ça. Hop. Merci. Ça trace. Ah, deux cakes pour trois. Attends, viens. Bah voilà, mais faut me le dire. Je suis pas du genre à réclamer, mais là, gastronogique, tu déconnes. Allez, viens, porte ton assiette là, mon chéri. Je vais prendre cela déjà, les gars. Voilà.
Ah oui, bah oui, bien sûr. Allez, vas-y. Tu peux embarquer. Merci. C'est moi. À plus tard. Merci, les amis. Vous avez vu comment on prend soin de nos amis techniciens, Julien. Regarde, il y en a un pour toi. Si j'arrive à le démouler. Il me semble que tu es un peu allergique au cake aussi, c'est dommage. Ça en fait 5 pour moi. Allez, regarde. Hop, voilà. Là, on a de moins en moins de zeste. Hein. Mais on va y arriver. Allez. Tiens, tu viens ? Tu te prends un... Tu ne veux pas apparaître à l'image ? Voilà, mange bien. Ok, donc là, notre sucre glace qui nous reste, bah à nouveau, on va le filmer au contact tout à l'heure et on pourra parfaitement le garder. On est dans les finitions. On a déjà fait le dessert, on crèvera pas la gueule ouverte. On en est où ? De l'heure, s'il te plaît. Il est 2h09. Putain, on est bon. 14h09. Ok, alors. Planche à découper. Voilà, on va nettoyer. Ça, c'est le truc que tu m'entends dire 1000 fois par émission. On va nettoyer notre plan de travail. Ah, mais ça, c'est la base, hein. C'est la base. Tiens, tu peux jeter ça à la poubelle ? Oui, j'ai un truc à faire. Alors, c'est très bon. Hein. Merci. La dernière fois où on a mal nettoyé parce que Gigi était pas assidu, on a mangé du piment qu'on n'aurait pas dû, ouais. Ah non, avec Pierre Sang, tu veux dire. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai, quand j'ai fait la vidéo avec Pierre, quand tu fais une connerie en cuisine avec Pierre Sang, tu manges un piment. D'accord. C'est la souffrance. C'est la grande souffrance. Ok. Maintenant, tu vas prendre ton timer. Mon timer. Ta montre. Oui. Voilà. Et tu vas prendre les pastas et les mettre dans l'eau. Une grosse moitié. Je pense pas que ce soit nécessaire de tout mettre. Ah, il est 10. Bah, c'est très bien. Ça cuit en deux. Oh là là, mais la moitié. On va faire ça. Et on sort la viande. Hop. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils me trouvent trop dur dans mes critiques, mais qui aiment bien châtie bien. Bien joué. Et puis moi je dis toujours ce que je pense. J'essaie de trouver les bons, les mauvais côtés. Et après, évidemment, ça reste du subjectif. Hein, c'est jamais du 100%. C'est jamais objectif. Ton avis, c'est vrai. Voilà. J'essaie de. L'intérêt, c'est de prolonger un peu potentiellement le plaisir ou d'avoir un avis un peu différent du sien, d'avoir une approche sur une œuvre, hein, tout simplement. Moi, j'avoue que j'apprécie tes critiques. Alors là, vous ne me voyez pas parce que je suis en train de chercher le. Les assiettes pour le dressage, voilà. Moi, j'avoue que j'aime le fait que tu sois dur avec les... Que tu sois dur avec les... Comment dire ? Avec les œuvres, parce que ça montre que tu fais pas de compromis et ça montre que tout ton travail de recherche... et je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est vraiment important d'être précis. Tu respectes l'œuvre et surtout, tu respectes les viewers. Ceux qui peuvent te trouver un petit peu dur... Bien, c'est vrai que c'est leur ressenti, mais mine de rien, tu te fous pas de leur gueule, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, tiens, elle est belle, celle-là. Bah, c'est gentil, mais en tout cas, je fais des recherches, c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps, les vidéos, parce que je fais des recherches avant. Tu sais combien de temps, à peu près, toi, une vidéo ? Parce que j'ai pas la science infuse. Bah, ça va dépendre du sujet, mais sur Watchmen, par exemple, sur l'épisode, mon truc hebdomadaire, je mettais 2 jours pour le faire, quoi. Ah ouais. Entre recherche et le montage, etc., évidemment. Bah, le tournage, c'est ce qu'il y a de plus intense, mais moins long. Ok. Et voilà. Ok, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Ouais. Du coup, tu choisis un petit peu ce que tu fais, où tu vas, qui tu aides, où tu viens. Parce que tu non, mais par exemple, tu as été invité à aller en Pologne, à voir les premiers épisodes de Witcher, présence du casting, Henri Cavill, toute la clique. Ouais, tout ouais, ça. C'était. Bon, au niveau touristique, c'était super cool, mais vu que. Mais t'avais pas le temps en fait. Mais vu que t'avais Star Wars qui tombait en même temps, et c'était aussi très attendu par les gens, par moi aussi, je me suis dit, voilà quoi. T'as choisi. Alors, regarde. Du coup, tu vas le faire. Viens, viens, viens. Allez. Tu prends, tu mets directement là-dedans. En égouttant un petit peu, quoi. Égoutte un peu, bien sûr. Là, il va tout de suite prendre les pastas. Vas-y, 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 ouais, discute pas, réfléchis pas. Ah, tu prends, t'envoies. Ouais. Moi, je cherche si on avait une pince. Eh oui, non. Eh, ça l'affaire. Si tu mets un peu d'eau de cuisson, c'est vraiment pas grave. Vas-y, essaye de récupérer
quelle dextérité. Pas mal. Laisse la poêle sur le... Voilà, exactement. Arrête de pourrir ma recette. Non, 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 pas du tout. C'est pour toi. Non, non, t'as c'est toi qui vas manger derrière. Ouais. Ça va aller sur les pastas. C'est bon ? Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop, regarde. Okay, je... Tu peux arrêter la cuisson. Donc là, on prend les pâtes. On mélange. Hop. On cherche vraiment à... Voilà. À bien les... Comment dire ? Là, ça va pas être beau. Hein. On va pas se mentir. Voilà. À bien les prendre comme ça pour qu'elles prennent bien toute la sauce. Bien les imprégner. Exactement. Ensuite, on va dresser. Alors, est-ce que tu peux, pendant que je dresse l'assiette, prendre la planche à découper, tu remets bien un petit sopalin humide et tu nous coupes ça en beaux morceaux, en biseau, tu vois ? Comme ça, mais en beaux morceaux biseautés. Plusieurs petits morceaux ? Exactement. Alors, le papier essuie tout est-il ? Hop là. Je ne sais pas, tant pis. Alors, on sert une belle portion de pasta. C'est joli, ça sent très, 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 très bon. Je hais cette pince. Je fais n'importe quoi. Non, non, alors regarde. Regarde bien, n'aie pas peur. Mauvais couteau déjà. Tu prends ton Santoku. Ta-ta-ta-ta-la. Tu prends ici, par exemple. Non, elle est bien, elle est bien. Mmh. Tu prends comme ça, et tu vas chercher ce morceau-là. Voilà. Tu vois ce que je fais ? Ok, ok. Voilà. Et t'essaies de bien les garder plaqués, parce que ce qu'on va faire après, c'est qu'on va essayer de les prendre comme ça et de les poser sur le côté. Mmh. Tu fais ça avec celui-là ? Je vais essayer de faire ça. Vas-y. Et on va finir en beauté, je crois. Voilà. Il reste 10 minutes pour info. On est bien, on est bien. Vous... Fais bien, voilà, utilise le couteau en scie. Voilà. C'est pas si facile, hein. Non, non, alors pas la pointe. Quand tu veux couper, pars de la base et avance comme ça. Range bien tes doigts, s'il te plaît, en grippe. Voilà, comme ça. Ne presse pas, utilise le fil du couteau. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, là. Alors, regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Place-le bien, respecte-le. Remets-le dans le sens. On va prendre ça. Voilà. On va gentiment disposer ça. Un petit peu d'aucuns diront à la rustre. Ouais, enfin, c'est The Witcher, hein, non plus. C'est exactement ça. Le voilà. Sopalin, il est... Je sais pas, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Il est là-bas, sous le marteau de Thor. Ah, bah voilà. On va prendre le sopalin, pourquoi ? Parce qu'on va faire les bords d'assiette, parce qu'on va essayer de faire ça bien. Allez, suis-toi les mains, tant que tu peux. Et regarde, le dressage, dresser des pièces comme ça, c'est très compliqué. On va prendre une petite portion de champignons. On va disposer ça, gentiment, comme ça. Un peu de sauce. Ah, et là, je peux vous dire que ça va être tip-top. Et un petit peu d'herbe fraîche sur le dessus. Sans trop de flotte, très pas mal. Voilà, hop. Donc, et là, ça sent bon les herbes, ça sent bon le curcuma, ça sent bon les épices. Est-ce que tu le chopes en vue zénitale ? Et on prend le petit... Et on arrive, me dit-on. On prend le petit bord d'assiette et on enlève toutes ces petites choses. Elles sont pas très jolies. Tu l'as ? Je me pousse ? Ah, attends. Voilà. Comme ça. T'as rien... Alors, c'est moi qui suis pas bon, là. Ah, attends. C'est toi qui bouge, moi, je bouge plus. Voilà. On a une assiette de poulet... Avec des champignons forestiers, avec des épices, avec des pastas, tu vas ouvrir ce tiroir, mon capitaine. Tu vas prendre une fourchette et tu vas manger. Ah, voilà. J'aime les ordres simples. On me demande au passage que je pense de l'annulation de la saison 2 de Watchmen. C'est pas vraiment une annulation, puisque le showrunner Damon Lindelof, qui s'est dit... Il voulait réfléchir pour savoir s'il avait encore quelque chose à donner pour une saison 2, et il a décidé que non. Ok. Alors si jamais ça se fait, ce sera sans lui, mais la saison 1 se suffisait elle-même. Tu penses, oui, de toute façon, elle se suffit, elle termine. Alors, toc. J'y vais. Vas-y, attaque. Dis-nous. Enfin, faut que tu nous racontes, là, faut que tu nous dises.
Est-ce que la viande te paraît bonne? Est-ce que c'est assez salé? Est-ce que la sauce est assez onctueuse? Est-ce que on sent les champignons? Raconte-nous. On sent les champignons. La cuisson est très chouette. Et puis les herbes rajoutent quelque chose aussi, clairement. Ça apporte une fraîcheur normalement. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, mais moi j'ai envie de tout manger comme un. Comme un morphal, hein. Moi je vais déguster. Je vais prendre un de ces petits gâteaux là, voyez. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais le couper, le gâteau, parce que là, je peux vous dire que si j'attaque le sucre glace avec ma moustache, vous allez avoir de la 3D, vous n'allez pas voir venir le truc. Il est toujours chaud, le poulet, ouais. Ah bah oui, et bien sûr, parce qu'on l'a mis. Là, c'est beau, là. Oh, là, c'est beau. Ah, attention. Ah, c'est moelleux de ouf. Voilà. Voilà. moelleux Inès. Quelle heure est-il, les amis? Il est 18. Papa. On est tip top. Je prends des gros risques là. Tu prends des gros risques. La dernière fois que t'as attaqué l'œil de Sauron de manière risquée, il s'est fendu en deux au moment de la dégustation dans la vidéo. Je me suis déglingué un pantalon. C'est vrai. Bon, attends, j'arrête de manger parce qu'il faut dire au revoir. C'est bon ou pas? Bon, les amis, merci énormément d'avoir participé dans le chat à tout ça. Merci de ce plan qui est tip top. Merci énormément, les couleurs sont très très belles. Merci à toi d'être venu. Je continue pendant que tu peux pas parler. Les gens se plaignent du bruit que je fais en mangeant. Ah oui, un instant ASMR, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de La Cuisine. Vous retrouverez le replay de cet épisode demain sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aussi me retrouver sur Twitch, sur ma chaîne perso, twitch.tv/gastronogeek, quasiment tous les jours de la semaine. On se retrouve samedi prochain, annonce de l'invité lundi ou mardi. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le 1er février, on aura Trinity. J'espère que vous l'accueillerez avec autant de bienveillance et de chaleur que vous avez accueilli l'ami Captain Popcorn. As-tu passé un bon moment? Est-ce bien, que ça va? Mais bien sûr, oui, c'était chouette. J'ai pas été trop mis à contribution. On a vu que on pouvait faire des trucs bons de façon relativement simple avec des explications. Ouais. Et c'est super bon, donc ouais, c'était un super moment. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde de nous avoir regardé, évidemment. Exactement. C'est chouette de tester un peu le direct comme ça. Bah écoute, moi je vais faire du direct un peu plus souvent. T'es le bienvenu dans la cuisine. Quand tu veux, restez cet après-midi, les programmes suivants, bien entendu, Jeux Actu de 16h30 à 18h30, puis après, bien entendu, l'équipe du Recap Weekend, les fabuleux amis Rivenzi et toute sa team pour le Recap Weekend. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que, vu que je ne l'ai pas prévenu, la régie a compris que j'étais en train de rendre l'antenne. Et du coup, Du coup, c'était fort agréable. Je profite encore de quelques secondes pour vous remercier pour Tsunami Island Battle Royale, mon jeu de société en crowdfunding. Puisque vous l'avez financé, on a fait plus de 33 000 euros sur les 13 000 demandés. Merci beaucoup. Vous retrouvez Captain Popcorn sur sa chaîne YouTube, youtube.com/CaptainPopcorn. Captain Popcorn. Ouais. Je suis mort deux parties de Tsunami Island, je suis mort deux fois. T'es mort deux fois. Ouais. T'es mort deux fois. T'as fait les bêta tests et t'es mort deux fois. Voilà. C'est Kickban, des petits gars qui font ton jeu. Kickban, ils ont une chaîne aussi YouTube qui ont fait le générique la musique, de ta chaîne, musique, qui est génialissime. Exactement. Une version bien rock, un peu à la Magnum et tout ça. Ils sont dans la description de toutes mes vidéos, mais il faut aller les voir. Il faut aller les voir, aller voir Kickban. Ils sont aussi en concert dans les trucs geeks, dans les conventions. Aussi aller les voir. Merci, là on rend l'antenne, le waiting screen, merci d'avoir participé à la cuisine, à la semaine prochaine. Salut à tous et à toutes.